Doucement, doucement, doucement. Oui. Oui. Tourne-toi. Vite, 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 vite. Oh, bébé, tourne-toi. Tourne-toi, bébé. Oh, oui, bébé. Ah! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Go, 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 go. Ibé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pardon, ne t'approche pas de moi. Reste là-bas. Ah, ah, Ibé. Non. Je vais... Reste là-bas, reste là-bas, reste là-bas. Ibé. Oh. Oh. Ah, t'approche pas. Allons-y. Oh, attends, attends. Prends. C'est l'argent que tu m'as donné pour le travail. Prends-le, j'en fais plus. Vas-y, prends. Oh, arrête de faire ça. Prendre quoi? Quel argent? Cet argent t'appartient. Écoute, tu dois me suivre. Va prévenir cet homme qui m'a maltraité. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Arrête avec ces blagues. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Toute armée forgée contre moi sera nulle sans effet. Amen. 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 Regarde, regarde. C'est tout l'argent que j'ai dans cette vie. Ici et partout d'ailleurs. Prends-le. Prends-le, non? Le feu du Saint-Esprit. 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 Qu'est-ce qu'il ne faut pas avec cet homme? Le feu du Saint-Esprit. Ah. Allez, libérez ma route. La fille, j'ai entendu pousser moi celle-là. Tout le monde à côté. Regarde comment tu marches. Traînez-moi de la tête jusqu'au pied. Tu es vraiment drôle. Allez-y. C'est bien. Choma, Chisum, je voulais vous parler d'un truc. Depuis que nous avons fini l'école secondaire, nous n'avons pas encore causé pour savoir ce que nous ferons plus tard dans la vie. Oui, yo. Je suis en train de monter à un niveau supérieur. Moi, je suis déjà diplômée. Et j'ai déjà fini avec le stress de l'école. Je n'attends que les examens. C'est ça, ma belle. Finir avec quoi? Qu'est-ce que vous racontez tous les deux? Vous parlez de quel stress? Qu'en est-il de l'Institut supérieur? C'est d'ailleurs ça qui est plus stressant, mes chers. Détrompez-vous. Et qui ira à l'université? Qui va m'envoyer là-bas? N'est-ce pas, c'est toujours ma mère qui n'arrivait pas à payer mes frais? Choma, l'école secondaire nous suffit. Nous sommes satisfaites. J'aimerais vous conseiller de me rejoindre pour aller apprendre à faire des tresses. Que Dieu m'en épargne. Que Dieu m'en épargne. Ah ah, Chisum, Chigum, allez, prenez le temps de me regarder, non? Chomi Alabama, Chomi la reine, Chomi de Dubaï, Chomi de Londres. Que je fasse quoi? La coiffure, comme un business. Rappelez-vous un peu de ma mère. Elle a commencé à tresser dans ces villages, je ne sais depuis quand. Elle est capable de nous donner à manger régulièrement. Je ne veux pas être comme un loup. Je veux le meilleur. Mon avenir est très brillant. Ton avenir, très prometteur. Je me demande qui va t'entraîner. Qui les fera? À ce qui me concerne, je vais apprendre comment tresser. Et après cela, je vais me rendre en ville
où je ferai beaucoup d'argent. Bien, je ne vous blâme pas. Vous avez l'air des coiffeuses toutes les deux. Et du village. C'est normal. Comme ta mère. Hein? Exactement comme ta mère, la coiffeuse du village. Chisom, Chisom, s'il te plaît, ne mentionne pas ma mère dans cette affaire. Ne la mentionne pas. Désolée. Qu'est-ce que cela veut dire, non? Tu sais, elle essaie de dire qu'elle s'y rend pour aller voir ta soi-disant villageoise, coiffeuse de maman. Elle est toujours malade. Ça ne veut pas tout ceci. Chisom. Écoute, laisse-moi te dire, même si j'ai vendu tous mes biens, je serai toujours capable d'investir et de sponsoriser ton éducation. Ah. Sache que je ferai tout mon possible pour que tu me rejoignes dans mon business. Ah, maman, Biko, pardon, s'il te plaît. Hein? Après que tu m'aies regardé, tu dis à Chiome et moi, Yao, Chiome et moi, de venir faire quoi? Commencer à dresser les gens? Maman, s'il te plaît, pour l'amour du ciel. Je te prie de prier pour que je sois plus grande que toi. Je ne veux pas être au même niveau que toi, non? Ce n'est pas possible. Bien. La prière de toutes les mères est que leurs enfants soient plus grands que eux. Mais pourquoi tu ne me comprends pas? Tu dois me rejoindre. C'est pourquoi tu dois continuer de prier pour moi pour que je sois en train de faire la ville et les villages pour les affaires, pour ton honneur. Pour que quand je rentrerai dans ces villages, je sois en mesure de manipuler la langue de Molière. C'est pourquoi tu dois prier pour moi. Alors voilà pourquoi... Je dois être plus grande que toi et non le contraire. Voilà pourquoi tu lèves tes épaules au-dessus de mien. C'est ce que je l'avais dit. Maman, s'il te plaît, excuse-moi. Hé, hey, toi, où vas-tu? Retourne ici. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que veut dire ça? C'est pourquoi tu m'embarrasses? Pourquoi tu retiens mon habit? Laisse-moi, j'ai des choses à faire, maman. Oh, c'est quoi ça? Hé! Hey. Du n'importe quoi. Ok. Qu'est-ce que c'est, Ibé? Désolé. C'est juste que... Je voulais juste te demander si cette route, elle est vraiment passable. Voilà, c'est Ibé. Ça. Hein? Donc tu m'as stoppé. Juste pour savoir si cette route est praticable pour que je puisse y marcher? Non, pour Ibé, tu es un fou. Ibé, tu es stupide. Idiot. Ah, ferme ta bouche, ferme-la. C'est moi que tu appelles idiot. Dieu va te punir. Qui te punit, Sophie? Il va s'abattre sur toi-même. Hein? Regarde dans ce village. Essaye de rendre ta vie utile dans ce village. Mais tu es en train de parler de... Dieu va te punir. Attends. Maintenant, je comprends que tu es vraiment Ibi. Tu es malade. Vraiment? Tu es stupide. Tu es un idiot. D'ailleurs, tu es un fou. Que Dieu te punisse. Dieu va punir cette bouche que tu utilises pour appeler ton père et ta mère idiot. Ton père aussi, espèce de fou. Regarde-toi. Tu penses vraiment que je te veux? Moi? Tu ne me veux pas? Alors pourquoi tu me poursuis comme une mouche? Tu vois, aucun homme ne te vit dans ce village. Regarde-moi cette chose, sans importance. Dégage de là, tu n'es rien d'autre qu'un pauvre fou. Tu as intérêt à être utile pour toi-même, idiot. Moi, inutile? Tu es une malchance pour ta vie, pour ta famille et toute ta génération. Espèce de fou. Dieu va vraiment te punir. C'est ce que tu es. Il va te punir. Mais regarde-toi, tu n'es rien du tout. Écoute, tu n'es pas de mon niveau. Va trouver les gens de ta classe. Regarde ça. Nous ne sommes pas du tu n'as même pas de classe. Tu n'as pas de classe. Je voulais t'aider dans la vie, dans ce village. Hein? Hein? Je voulais t'aider. Et tu me traites de cette façon-là. Hein? Dieu va te punir. Tu racontes n'importe quoi. Tu vois, je te connais. Et si on enlève seulement ces histoires-là, tu es vide. Oublie les derrière. Tu n'as rien du tout. Et si on enlève ça seulement, tu n'as rien du tout. Et si on les enlève, tu n'auras même pas de forme. Tu n'as rien. Tu ressembles à rien du tout. Moi, le seul garçon qui te parle, et c'est à moi que tu réponds de cette façon. Mais Dieu va te punir. Pars, tu ne sais pas combien de femmes qui vont supplier de les épouser dans ce village. Hein? Connais-tu combien d'amour, combien j'ai contribué dans ce village? Onyala, et tu penses vraiment que je vais être ton petit ami? Connais-tu combien de filles qui sont tombées enceintes de moi? Hein? Tu connais combien de femmes qui veulent que je les enceinte?
Tu es là juste en train de perdre mon temps. À tout moment, tu es là, à tout moment. Tu ne tombes même pas enceinte. On y a là. Et tu me traites de cette façon. Dans ce village, Dieu va te punir. Tu penses que je ne te connais pas, hein? Et tu portes beaucoup d'habits, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Tu te couvres pour que tu aies la forme. Hein? Et tu penses que nous ne savons pas. Idiote, Dieu va te punir. Très enfant. J'adore ça. Hein? Non, laisse-la se réjouir. Ça suffit. Maintenant, fais mon tour. Allez. Maman, la main. Joma, tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment beaucoup, ma belle. D'ailleurs, tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée à toutes les deux. Nous sommes chanceuses d'être oui, tes amies. Oh, chom, chom. Chom, 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 chom. Chom, chom, chom. Hey, Chommy. Écoute, tu es tellement magnifique. Oui. Tu es merveilleuse. Tu es un amour. Écoute, oui. C'est là que tu es, là à l'intérieur. Ok. C'est bon. Le code est bien passé. Dites-moi ce que vous voulez dire. Allez, toi aussi. Nous n'avons besoin de rien. Ah, ah. Tes amis ne peuvent plus t'apprécier ça pour t'a demandé quelque chose. Hein? Si toutes les deux, vous ne voulez pas me dire ce que vous pensez, je crois que ma place ne serait plus ici. Ah! Ah! Tes amis ne peuvent plus blaguer avec toi. Ok, bien. Tu as raison. Nous voulons de ton aide pour parler à ta maman. Maintenant, vous parlez. Oui, Choma. Hein? Notre ami. S'il te plaît. Chayoma. Chinjima. Nous voulons que tu puisses nous aider à supplier ta mère. Cause avec elle pour qu'elle ne puisse pas nous demander de l'argent quand nous irons apprendre à dresser les cheveux chez elle. Du fait que nous n'avons pas d'argent pour aller à l'université, nous voulons vraiment apprendre à coiffer le cheveu. Vous avez dit? Hey, qu'est-ce que vous avez dit? Je supplie ta mère. Chom, chom. Tu sais que tu es notre meilleure amie. Mmh. Et aussi ta maman. Et notre maman. Mmh. Si c'est lui qui parle avec nôtre. Elle, elle ne va pas nous demander l'argent. Tu sais, non. Ok. Ce n'est pas un problème. Es-tu sérieuse? En fait, je vais en parler à ma mère. Elle ne vous demandera rien comme frais à payer pour apprendre comment faire le tresse. Après tout, n'est-ce pas qu'elle est aussi votre mère? T'es sérieuse? Je le sais. Tu es très gentille, Choma. Que Dieu te bénisse. Qu'elle te bénisse avec ta mère. D'ailleurs, tu iras loin avec tes études, je l'ai dit. Allez, arrête. Ferme ta bouche. Choma. J'ai beaucoup. Je t'adore tellement. Viens, ok. Mais, savez quoi? Vous devez faire de même pour moi à l'université. Vous allez leur dire de ne rien me demander comme frais jusqu'à ce que j'aurai mon diplôme de licence. Hein? Très bien. Comment ça? Et tu sais que ce n'est pas possible. Exactement. Ça veut tout simplement dire que si l'université ne me laissera pas faire mes études gratuitement, ce n'est pas non plus possible pour vous d'aller apprendre à faire du tresse chez ma mère gratuitement, puisque j'aurai mes frais. Mais c'est différent. Ce n'est pas différent. Il n'y a rien de différence à ce sujet. Si je dois payer le frais pour apprendre à l'université, ça veut dire que je devais faire de même pour apprendre auprès de ma mère. Point à la ligne. Des petites sorcières. Reviens ici, jeune fille. Reviens. Où crois-tu aller? Hein? Tous les remerciements, les éloges que je t'ai donnés, tu dois me les restituer ici moi aussi. Et maintenant. Toi aussi? Chommy de Londres. Et alors? Chommy d'Alabama. Terre qui va tomber là-bas. C'est quoi cette bêtise que vous racontez? Tout de suite. Oui. Trouvez comment les répondre. Tu ne peux pas voir comme ça. Reviens ici. Voyez-moi cette idiote. Pour qui tu te passes? Qui va te faire voyager pour Londres? Idiote. Attends, tu verras. On va te frapper aujourd'hui. Tu vas restituer tout ce qu'on t'a donné. Laissez-moi. J'ai fait un rapport. Si nous ne le rêvons pas, avant ton sujet. Tu résistes? Ah!
Idiote, tu te prends pour qui, hein? N'importe quoi. Nyangala. J'ai toujours... Ma belle, tout ce que nous avons en fait. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est tombé sur moi. Il s'est tombé sur moi dans la brousse. Mais qu'as-tu vu? Un peu comme des lèvres, comme des pupilles. Je ne comprends pas. Quoi? C'est bizarre. Je ne supporte pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ibé. Ibé, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Hé, hey, hey, hey. Attends, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu m'as foutu? Hé, hey, attends. Mais non. Oh, probablement, lorsque tu urines, les pipis sortent partout. Je crois que c'est ça, vraiment. On y est là. Mon Dieu, non, c'est le père. Mais qu'est-ce que... Mais le parfait, parfait. Attends. Ah non. Ah c'est bon, juste un peu de rire. Pourquoi tu t'agites? Non, c'est pas possible. Désolée. Où se trouvent Chigo et Chisom? Qui sont-elles? Nos nouvelles apprenties. Donc, elles ne sont pas encore arrivées ici? D'accord. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Encore un autre jour où je suis arrivée avant vous deux. Vous allez payer l'amende de 50 Naira. Suis-je claire dans ce que je dis? Oui, maman. Oui, maman. Nama. Ma. Hugo. Madame. Elle, c'est Chigo. Et celle-ci, c'est Chisom. Chisom, Chigo, regardez, elles sont vos aînées. Vos aînées. Alors, peu importe tout ce qu'ils vont vous demander de faire, faites-les et faites-les très bien. Suis-je claire dans ce que je dis? Oui, oui, maman. Allez-y nettoyer où je me mets. Oui, maman. Ah, levez-vous. Quel courage. Pouvez-vous vous imaginer? Regardez-moi celle-ci, oh. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous êtes venue et vous voulez vous asseoir. C'est pour ça que vous êtes là? Êtes-vous normal? Pose-moi la question. Je peux bien voir que vous aimez le problème. Donc nous ne pouvons plus nous asseoir. C'est ça. Demande-leur. Vous voulez vous asseoir? Ok. Allez, tenez. Ramasse-les pour balayer. Quoi? Oh, non, non, écoutez. Désormais, bien. Quand vous viendrez au salon le matin, vous commencerez par balayer, bien. Nettoyer les chaises, oui. Et arranger chaque chose, hein? Comme il faut. Comme est-ce il que vous faut. Me comprenez? Ça se passera sûrement dans tes rêves. Oui. Ok, dès aujourd'hui, vous allez commencer à nous acheter à manger et se charger de tous les clients. Comprenez que ce qu'elle vient de dire commence aujourd'hui. Sachez que toutes les deux, vous êtes devenues maintenant nos filles de course. Nous vous enverrons partout. Ça sera ainsi. Tout ce que nous ferons, vous le ferez doublement. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Merci. Très bien. Merci beaucoup. Dans vos rêves, je le répète, dans vos rêves. Eh, allez, asseyons-nous. C'est ça, ma belle. Pourquoi nous? Ok. Il n'y a que le courage de proposer à nous. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Arrêtez.
nul. Levez vos deux mains à l'air. Levez le main. Tirez vos oreilles. Vos deux oreilles. Et ouvrez vos bouches. Alors, répétez après moi. Prochainement. Je ne me battrai plus dans l'établissement de cette façon. Je ne me battrai pas dans l'établissement pareil. Je m'irai à mes supérieurs. Mes supérieurs. Hein? Je les respecterai. Mes supérieurs. Même si elles nous envoient d'acheter les histoires pour elles. Oui, bien sûr. Vous irez et vous achèterez des choses pour elles. Quand elles resteront, vous allez manger. Vous allez manger. Et écoutez très bien. Vous devrez les obéir. Parce que si vous ne les faites pas, la prochaine fois, vous allez recevoir une punition pénible. Plus que celle-ci. Suis-je clair? Oui, maman. Soulevez vos mains. Merci, maman. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Fermez vos yeux. Soulevez vos mains. Maman, elles ne veulent pas soulever leurs mains. Levez comme ça. Maman, elles ne veulent pas soulever leurs mains. C'est bon. La punition a pris fin. Choma, tu crois vraiment que c'est drôle? Ce n'est pas du tout drôle. C'est un problème très sérieux. C'est des idiotes. Elles ont osé se jouer de nous. Et nous devons leur donner une bonne leçon aussitôt que possible. Attendez. Qu'est-ce que vous pensez faire toutes les deux? Rien du tout. Je suis sûre que vous ne venez pas relever à la première fois qu'on vous a battu. Qui est-ce qui vous a frappé? Va vérifier. Nous les avons très bien frappés. Oui. D'ailleurs, il y a plusieurs moyens de tuer un rat. Exactement. Écoute, tu vois ces deux idiotes. Elles devront payer pour avoir rendu notre vie misérable dans ces shops. Ces deux-là, je ferai d'elles nos servantes. Ça ne peut se faire que dans vos rêves. Vous ne ferez rien. Vous ne saurez rien faire. Écoutez, mes chéris, le plus tôt vous prendrez conscience de votre apprentissage, le mieux serait pour vous. Tu vois, c'est quoi ton problème? Je croyais que tu étais là pour nous aider à trouver une solution. Mais te voilà en train de soutenir ces idiotes. C'est folle. Non, c'est pas vrai. Je ne soutiens personne. Loin de là, je ne soutiens personne. Je sais juste te dire que le plus tôt vous prendrez votre destin en main, le mieux serait pour vous. Pas de problème. Des petites souris qui ont été pourchassées par les grandes chattes. Donc c'est drôle. Elles vont le payer de notre manière. À notre manière. Franchement, vous avez de l'audace. Comment osez-vous vous tenir devant Hugo et nos mains? N'avez-vous pas vu leur taille? Quelle taille? Écoute, nous sommes très fortes. Ce n'est pas par la taille. Il n'est pas du tout question de la taille, ma belle, mais plutôt des techniques. Juste, regarde-moi. J'ai aussi une belle taille. Je suis lancée. Je possède tout. Continue à rire, n'importe quoi. Elles ont l'air vraiment fortes. Je dois juste me tenir moi-même. Sinon, je vais déchirer quelqu'un. Bon après, cliente. Tu es venue. Merci. Pour faire quoi? Oui. Je veux défaire ceci et faire d'autres graisses. Okay. Ah, c'est bon. Assieds-toi. En place. Merci. Bienvenue chez nous. Venez voir les cheveux de cette cliente. Elle veut se presser, oh. Hugo, ne peux-tu donc pas voir qu'ils ne sont occupés? Madame nous a demandé de laver ces histoires et de les sécher. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je t'ai dit de laisser cette chose et venir peigner ses cheveux. Et après, tu vas revenir dans ce que tu fais. Et que faites-vous toutes les deux? Rien du tout. Écoutez, vous feriez mieux de changer ces mauvaises attitudes. Vous feriez mieux de le changer. Sinon, vous allez perdre beaucoup de choses. Quoi, là, tu t'adresses à moi? C'est à moi que tu parles. Donne-lui sa leçon. Dégage, bougez vos corps. Bougez, je vous dis. Je le ferai juste à cause de madame. Hein? Es-tu sourde? Mon amie, elle bouge. Juste à cause d'elle. Hey! Et toi, que fais-tu ici? Ces filles ont besoin de Jésus. Tu peux imaginer? Ma très chère cliente fidèle. Sois la bienvenue. Vas-y, profite bien. Je te l'avais dit. Nous devons faire beaucoup d'efforts. Ah, doucement avec mes cheveux, non? Faites-les doucement. Madame, vous avez mal? Oui. Désolée. Doucement. Désolée, madame. La chose est que
On ne s'est pas encore habitué à ça, hein? Nous sommes des nouvelles. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les filles? Donc, vous leur avez demandé d'utiliser mes cheveux pour leur apprentissage? Non. Je vous quitte maintenant et je dirai tout à votre père. Non. Cliente, s'il te plaît, reviens. Ne fais pas ça. Reviens. Chère cliente, attends, s'il te plaît. Je vais te parfumer mon œil. OK? Allez-vous-en. Dégagez d'ici. Des idiotes. Ma chérie. Des sorcières. Ma charmante cliente. Ne te dérange pas. Nous te ferons une très belle tresse. Alors ne nous accuse pas, chez madame. S'il te plaît. Nous sommes désolés. Chère cliente. La meilleure cliente de l'année. Notre cliente. Que Dieu vous bénisse. Désolée. Les idiotes. Quel fait vous conseille? Ma chère, ton cas est plutôt mieux. Sais-tu que ça fait déjà un moment aucun homme célibataire m'approche. Tu sais le genre d'homme qui me veut de tout leur cœur. Tu sais ces vieux hommes qui ne réfléchissent plus dans ces villages. Ces vieux hommes, mon ami, c'est pas qu'ils veulent me prendre comme leur seconde femme. C'est juste qu'ils veulent coucher avec moi et partir. Je t'ai dit, mon ami. Ma chérie, ces hommes ont besoin de Jésus. Dit, chérie, ils ont besoin de lui. Tu peux le dire encore. Ma chère, franchement, nous sommes dans la même situation. La plupart de ces hommes qui m'approchent, moi aussi, c'est juste pour coucher avec moi et partir pour de bon. En fait, je suis fatiguée de cette vie. J'en ai marre. Moi non plus, je ne veux plus de ça. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi être honnête avec toi. Si c'est le même homme célibataire m'approche, je vais juste partir. Oui, oh. Et après, je tomberai enceinte de lui. Non. Ogo, tu as besoin de Jésus. Tu as maintenant besoin de Jésus. Non, Jésus. Tu n'as pas Jésus. N'est-ce pas que tu es né de nouveau? Naître de nouveau, pourquoi? Pourquoi je le ferais? J'ai été né de nouveau plusieurs fois. Qu'est-ce que cela m'a amené? Qu'est-ce que cela m'a amené? Garde-toi de commettre un blasphème. Matthieu 12, 30, 32, je sais de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit. Tu connais le verset? Oui, non, ce n'est pas vrai. Moi, je ne ferai pas un tel truc. Je suis une chrétienne dévouée. Je ne saurais le faire. Et alors, je lui avais dit que je ne veux pas l'épouser. Tu vois, moi, Ugoma, je ne peux pas épouser n'importe qui. Je veux un homme qui est voté par Dieu. Ugo, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que cet homme qui est venu t'épouser, qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne suis pas pressée, je lui ai dit non. Je dois prendre tout mon temps, tu sais. Tu as besoin de Jésus. Est parfait. Tu as besoin de Jésus. Mon Dieu fait toutes choses bonnes. Cher ami. À son temps, bien évidemment. La nourriture est là. La nourriture est ici. Où est ma différence? Elle nous prête pour des folles. Hein? Attends. Elle pense que nous n'avons pas entendu tout ce qu'elle disait. Je me demande comment elles pensent qu'elles peuvent nous mettre en confusion en disant le contraire de ce qu'elles disaient avant. Je ne les suis pas. Je ne suis pas ces filles. Qu'est-ce qu'elles croient? Il y a que des villageois, des ngweke qui s'approchent d'elles. Quoi? Tu veux les dire à madame? Attends. Quoi? Écoute, nous devons utiliser cela contre elles. Comment? Comment allons-nous les faire? Je ne sais pas pour le moment, mais je te promets que je reviendrai avec quelque chose. Mais tu vois ces filles, dès que nous leur donnerons une très bonne leçon, elles vont regretter de nous avoir mal. Je te crois, ma belle. Je t'ai fait confiance, Chigo. Non. Peu importe ce que tu as derrière la tête, ma belle. Je t'en prie, ma chérie, fais-le vite. J'ai vraiment envie d'en finir avec ces deux idiotes. Tu ne me fais plus confiance. Regardez comme elles sont. Qui est cet homme qui va accepter de sortir avec elle? Écoute, celle-là, Hugo. Oh, tu vois cet homme qui même qui vient de la ville? J'ai dit non, parce que je ne suis pas encore prête. Qui va accepter de sortir avec cette weke? Qui voudra sortir avec cette chose? Ce mensonge. Mon Dieu. C'est encore un peu. Thank you.
Ma fille. Je suis un ange envoyé au ciel pour essuyer tes larmes. Ça, c'est le moment que tu dois te marier. Et aucun pouvoir ne peut l'arrêter. Non, 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 non. Reste tranquille et ferme tes yeux. Dieu a un plan dans ta vie. Tu ne dois pas être distraite. L'homme viendra dans ce village. Bientôt, et cet homme sera ton mari. Sois gentil. Sois gentil avec les gens. Je veux que tu sois gentil. Sois gentil avec les gens, spécialement ceux qui t'ont choqué. Alors, lorsque ton mari viendra, il aura de bons témoignages de toi. Alors, cet homme va t'épouser. Sois gentil. Sois gentil. Sois gentil, ma fille, spécialement ceux qui t'ont choqué. Sois gentil. Jésus! Jésus! Ah! Jésus! 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 Enfin, tu t'es souvenu de moi! Tu t'es souvenu de moi! Jésus! Jésus! Merci, 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 merci! Je n'ai vraiment pas de la force aujourd'hui. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. C'est quoi ça? Ah, ah, ah! Des imbéciles, levez-vous! Vous n'avez même pas balayé ici. Depuis que vous étiez venu, regarde partout. Hugo, Hugo, peux-tu imaginer? Mais vous devriez balayer cet endroit, non? Nous étions fatigués, tellement fatigués. Regardez, le balai se trouve là-bas, non? Vous pourriez le faire, nous sommes fatigués. Pas de problème, je vais le faire. Je vais moi-même le faire. Ah, Hugo, dépose ces balais. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu l'as entendu, non? Elle a dit qu'elle est fatiguée. Et d'ailleurs, ce sont elles qui balayent cet endroit tout le matin. Laisse-moi aujourd'hui aussi. Non, 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 tu ne le feras pas. Étais-tu allée au champ? Toi, attends, je te reviens. Toutes les deux, maintenant. Commencez à balayer, vite! Mais c'est quoi ton problème? Hugo, la plus gentille, une nouvelle née en Christ. Oui. Elle a dit qu'elle va le faire, alors laisse-la le faire. Hugo, vas-y. Noma, Unoma, sais-tu que je suis une personne gentille? Et aussi, j'ai encore né de nouveau. Alors, laisse-moi juste t'aider. C'est la meilleure chose à faire. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Non, 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 arrête. Merci beaucoup, Hugo. Tu es une bonne personne. Je le suis, je le suis, je le suis. J'espère que tu vas nous acheter à manger aujourd'hui. La nourriture. Oui. C'est tout ce que vous voulez. C'est bon, ok, j'y viens. Allez, laisse le temps de se Arrête, couper. Hugo. Oui. Hugo, mon ami. Est-ce que tu vas bien? Oh oui. As-tu la malaria? Ou peut-être la typhoïde? Que Dieu te bénisse. Un très bon exemple. Hugo, Dieu va te bénir. C'est ça. Nous verrons bien avec ses caractères. Non, ce n'est pas ce que je te disais.
Je ne suis pas du tout intéressée. C'est ce que je t'avais proposé aussi autrefois. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la parcelle? Parce que ça fait déjà beaucoup de jours que je te vois sur qu'il est là-bas. Et hein? C'est quoi? Oui, la prochaine fois, on va bien planifier. Et on aura bien les programmes pour ça. D'accord. Hein? Salut la beauté. Comment vas-tu? Hey. Je suis très en forme. Oh, je vais bien. Ok. Où est ton amie? Celle avec laquelle tu rentres à la maison? Elle devient de plus en plus méconnaissable. Je l'ai laissée. Je fais mon chemin. Es-tu sérieuse? Oui. Tu me connais, moi et mon amie? Oui, oui. Oui. Hey. Oui, oui. Tu sais, je vous vois souvent ensemble. Souvent ensemble. Hé, hey, es-tu sérieux? Oui. C'est quoi ton ami? Ton ami est gentil. Et toi, tu es aussi gentil. Hé. Hey. Je t'aime. Merci bien. Beaucoup. Hé, hey, je t'apprécie moi aussi. Es-tu sérieuse? Comment alors moi je ne te connais pas? Es-tu de ce village? Non. Non, je viens de la ville pour chercher une femme à épouser. Hey. C'est ça. Tu sais, ta maison et la mienne sont proches. Alors, je l'ai constaté parce que je t'aime beaucoup. Hey. Mais tu ne l'as pas constaté parce que tu ne m'aimes pas. Ah non, ne dis pas ça. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Écoute, je t'aime aussi. Je t'aime énormément. Je t'apprécie. Oh. Je t'apprécie beaucoup. Tu es un bel homme. Qui ne mérite pas un homme comme toi? Hein? Je t'aime. Wow, je suis content de l'entendre. Tu es une bonne personne. Je voulais savoir si tu es vraiment une bonne personne. Parce que tout le monde t'aime, spécialement les gens avec qui tu travailles. Parce que je ne fais pas une femme que j'ai épousée qui est une mauvaise personne. Hein? Parce que je me suis renseigné auprès des gens. Hein? Pour savoir vraiment que tu es une bonne personne. J'espère que tu es une bonne personne. J'espère oui, je suis une bonne personne. Tout le monde. C'est très bien. Toute personne de ma communauté m'apprécie beaucoup. Et tu sais, je suis une bonne personne. Bien. Tu sais quoi? Avant que je rentre en ville, je vais aller me renseigner auprès des gens. Est-ce que tu comprends? Si je confirme que tu es vraiment une très bonne personne, je vais t'épouser et je vais t'amener en ville. La ville? Je t'aime. Oh, comment? Je t'aime moi aussi, je t'aime. Oui. Je t'aime. Je souhaite t'épouser moi aussi. Tu aimerais m'épouser? Oui. Waouh, très bonne chose. Hey. Tu vas partir. La ville? Oui. Comment? Tu es tellement intéressant. Tu es vraiment une femme adorable. Prouve-le que tu es une bonne personne. Traite bien les gens. Oui. Traite bien les gens. Spécialement dans ton lieu de travail. Tu essaies d'aider tout le monde à tout moment. Même si ils disent non. Tu dis non. Je vais t'aider. Tu serais une très bonne personne si tu te comportes comme ça. Une très bonne personne. Je te l'ai dit. Oui, tu peux te renseigner. Je suis très gentille. Oui. Comment? Il n'y a pas de problème. Tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Ok. Hey, David. Oui. Je suis très appréciée. Je te l'ai dit. Bon après-midi. Regarde-moi celle-là. Une bonne personne. Dieu va te punir. Idiote. On y a là. Quelqu'un comme moi vraiment. Un homme comme moi. Épouser cette idiote. Oh Dieu. Regarde cette idiote. Allez, attends, ça suffit. Je suis assez poussée. Ça reste que c'est ma femme en tour. Cinq. Chigo, as-tu appris la nouvelle? Quoi? Attends, laisse-moi te le dire. Sais-tu qu'aujourd'hui, un homme a fait sortir son argent? L'argent qu'elle gagne difficilement pour m'acheter à manger? Elle ne va pas seulement acheter à manger,
Mais elle m'a demandé de ne pas lui remettre cet argent. C'est gratuit. Ma chère, je suis surprise. Tu sais, cette stupide Dogo m'a porté la nourriture avec son propre argent. Es-tu sérieuse? Mais je t'ai dit. En tout cas, je n'arrive plus à y croire. Écoute, nous commencerons à aller au salon pour s'asseoir, le bien croisé, en faisant rien du tout. Juste à manger la nourriture. C'est ça, ma belle. Tu imagines? Tout ça à cause de moi. Oui, tout ça à cause de moi. Vous ne voulez pas compléter mon argent? Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? J'allais même tomber. Je sais. Mais, ou peu importe comment on t'appelle. Écoute-moi très bien. Si tu refais cette bêtise la prochaine fois, je m'occuperai personnellement de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Mais donne-moi mon argent. Je veux mon argent. Quel argent? Écoute, tu l'auras une fois que nous l'obtiendrons. Mais pour l'instant, nous n'avons absolument rien. Quand on aura fini notre formation et ouvrir notre salon, alors tu seras payé. Es-tu sérieuse? Non, es-tu sérieuse? Oui. Non, mais tu as eu l'audace de lui parler comme ça. Hein? Non. Tu as eu l'audace d'ouvrir ta bouche. Et tu parles même. Écoute, vous devez compléter l'argent. Ou soit quoi? Quoi, Ibelibe? Qu'est-ce que tu feras? Et où? Attends un instant. Guano. Est-ce que tu as pris le temps de te regarder? Hein, Ibelibe? Qu'est-ce que tu peux faire? Regarde-toi bien. Mais tu es en train de me parler. Allez, ferme ta bouche. Je te connais très bien. Je te connais de A à Z. Tu ne peux rien faire. On se connaît bien. Oui. Mais. Ferme ta bouche. Tu ne peux rien faire. Alors ne nous stresse pas. Arrête de nous déranger. Allez, ma belle, arrête de perdre ta salive. On y va. Partons. Espèce d'idiot. Vaut rien. Tinekine, regarde-moi ces filles. C'est comme ça qu'elles ont réagi. Vraiment. Vraiment. Donc ces filles, elles ne me connaissent pas. Jésus. Donc je ne peux rien faire. Attends. Chi. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Timo. S'il te plaît, non? S'il te plaît, pardonne-moi. Hein? Pardonne-moi et dis-moi oui. Hein? Regarde, écoute-moi. Tu es la seule femme dans ce village qui fait battre mon cœur. Je peux mourir et me ressusciter le troisième jour, juste pour toi. Hein? Je te jure. Écoute-moi très bien. La seule chose qui me poussera à dire oui à ta demande ou encore de penser être ta petite amie, c'est quand tu mourras pour ne pas se ressusciter. Jésus, mais pourquoi? Mais pourquoi non? Hein? Ok, en fait, je ne vais plus mourir pour toi. Je vais vivre pour toi. Je vais t'amener au bord de la rivière et je vais te faire promener partout jusqu'à ce que tu verras la fin de la rivière. Charmez-moi. Il n'y a rien que tu ne verras pas. Tu vas me promener à la rivière. Tu sais qu'il n'y a rien dans cette tête. Tu as un tonneau vide. Les autres hommes comme toi se préoccupent à promener les femmes dans le monde, dans tous ces endroits magnifiques. Comment appelle-t-on encore cet endroit? À Casablanca, à Alabama, à Porto Rico. Et tu oses t'élever devant moi pour me dire que tu vas me promener au milieu du village. Écoute-moi, la prochaine fois que je serai en train de marcher et que tu oses m'arrêter. Hey, Titi, s'il te plaît. Regarde, tu vois dans mon cœur, ça fait boum, boum, boum. Hein? Tu veux que je meure? Tu connais très bien que cet endroit est tellement beau et clair que toutes les places que tu mentionnes. Hein? Oublie tout cela. Regarde, je vais en finir avec toi lorsque je vais te montrer la lune dans le ciel. Hein? Le ciel est tellement merveilleux. La lune, c'est tellement mieux que tout ce que tu sais. Voilà. Approche. Aïe! Jésus! Je vais regarder la lune. Je sortirai la nuit et je lèverai mes yeux aux cieux pour voir la lune clairement et parfaitement.
Je n'importe quoi. Tu l'es qui? Voyez-moi cette fille ici. Elle m'a giflé. Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Écoute. Laisse-moi t'expliquer une chose. Oh, désolé. Désolé, je sens comme si j'ai besoin de quelque chose. Diego, s'il te plaît, tu peux aller m'acheter un biscuit? Je suis occupée. Hugo, pourquoi tu ne pars pas l'acheter toi-même? On est tout occupé, c'est comme tu. Mais à quoi est-ce que ça te concerne? J'ai dit qu'elle doit aller m'acheter un biscuit maintenant. Maintenant, tout de suite. Bien, madame Hugo. Je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui et je n'ai pas l'intention de le connaître. Mais peu importe ce que c'est, si tu ne te maîtrises pas, je m'occuperai de toi, idiote. As-tu peur de la tête? Va m'acheter des biscuits. Oh, madame, désolée. C'est bon. Que viens-tu juste de dire? Hey, Hugo, désolée. S'il te plaît, désolée. Pardonne-la, t'as mieux. Elle est obligée de le dire. Si tu n'arrêtes pas de te comporter comme une madame, chose que tu n'es pas, elle est prête pour prendre la place qui t'appartient. Les filles, s'il vous plaît, calmez-vous. Hugo, donne-moi cet argent. Je vais aller acheter les biscuits pour toi. Jamais! Tu vas aller m'acheter ces biscuits maintenant. S'il te plaît, tu veux arracher mes cheveux ou quoi? Hey! Es-tu malade? N'abandonne pas mes cheveux. Arrêtez, Hugo! Hugo, qu'est-ce qui se passe? Hugo, comment tu m'as reçu la tête? Hugo! Hugo, ma fille, les anges ne sont pas contents de toi. Tu es censé défendre les gens et non rendre la vie difficile aux gens qui t'entourent. Arrête d'être méchante. Arrête d'être méchante. Sois gentille avec les gens. Sois gentille spécialement avec les gens. Avec qui tu travailles? Sois gentil, alors ton mari viendra le plus vite que possible. Hugo, sois gentil avec tout le monde, spécialement ceux qui se trouvent dans ta boutique. Sois gentil, ma fille, tu auras ton mari, sois gentil. Désolée. Seigneur, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée. Dès aujourd'hui, je serai gentille. S'il te plaît, dès aujourd'hui, je serai gentille, s'il te plaît. J'ai fait que mon mari m'ait localisé. S'il te plaît, je serai gentille. Pardonne-moi, mon Dieu, je t'en supplie. Pardonne-moi. S'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît. Hey, Hugo, viens de ce côté. Passe comme ça. Ok. Prends. Achète-moi une orange. Je pense que j'ai besoin de vitamines. Dois-je aller maintenant ou j'irai après? C'est quel genre de question stupide que tu me poses? Mon ami, va maintenant. Je vais le prendre pendant que tu me fais les cheveux. Ah, ok. Hé, attends. Tu sais, non?
Alors sois rapide. Je vais. Ngoa, nous dégage. Oh. Aïe. Oh God. Hugo. Allez, Noma, s'il te plaît, doucement. Fais doucement. Fais-tu me tuer? Allez, lâche-moi. Désolée, ma chérie. Désolée, hein? Hey, oh, Noma. Ça continue à faire mal? Non. Mais c'est comme si tu ne tresses pas bien. Je veux des jolies tresses, mais que ça ne fasse pas mal. Ok, c'est bon. Mm-hmm. Je le ferai lentement. Désolée. Allez, arrête. Veux-tu me tuer? Ah! Vas-y, doucement, non, hein? Désolée. Veux-tu me tuer, Noma? Non. Je t'ai demandé des simples tresses, mais tu veux m'arracher la tête. Hey, Manon. Ah. Désolée. Ok, c'est bon, ça suffit. Mais va me chercher à manger. Je suis tressée, non? Je dis, va me chercher à... Qu'est-ce qui se passe ici? Bienvenue, madame. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, maman. Maman, il n'y a pas de clients aujourd'hui. Oh. Je disais, qu'est-ce qui se passe ici? Chisom, pourquoi es-tu en train de parler à ton aîné de cette façon? Et toi, Unoma, pourquoi l'as-tu permis de te parler de cette façon dans mon établissement? Ah, madame, c'est entre nous. On joue au fair play. Tu m'amuses, je t'amuse. Elle ne me manque pas de respect. C'est juste que nous jouons. Que veux-tu dire par là? Hein? Vous ne pouvez pas parler de bêtises dans mon établissement. Toi, viens et agenouille-toi ici. Oh, non, 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 non. Madame, c'est moi qui lui ai demandé de me parler de cette manière. Ah oui, et je l'apprécie énormément. J'aime ça, nous étions en train de nous amuser. Madame, ne la punissez pas. Punissez-moi. Au fait, je me donne une punition. Viens là. Eh, Obé. Bon après-midi, monsieur. Si tu oses courir, je te tue. Prends ces sacs. Oga. Mon ami, ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour toi. Merci, Oga. Tu peux t'en aller. Merci. Pas maintenant. Merci, monsieur. Pas maintenant. Merci, monsieur. Va-t'en. Toi, viens. Hé. Viens bien, mes objets. Obina, tout codin. A tout comme d'un. Arrête de pleurer comme ça. Tiens bien mes histoires, allons-y. Et suis tes larmes là. À tout calm down. Mon frère, comment vas-tu? Ah mon frère, c'est très bien, oh. C'est très bien comme ça, oh. Je suis très content. Comment vas-tu? Très bien. Je vais te gifler. C'est quoi ton problème? Tu n'arrives plus à... Maintenant, écoute-moi bien. Je pensais que tu étais le roi de ce village. Donc, tu penses y avoir peur comme ça? Mon roi? Pourquoi? Mais comment est-ce que je peux être le roi de ce village? Je suis un serviteur. Ibel. C'est même pas vrai. IBE.
En tant que roi que tu étais, tu m'as fait quitter ce village. Mais maintenant, Obina est de retour. Obiwa Mama est de retour pour rendre ta vie misérable. Regarde, Obae. Obae, regarde. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est fille unitaire. Tais-toi. Écoute, je me fous de qui a fait quoi. Je m'en fous maintenant, ça n'a plus aucune importance pour moi. IBE, tu as bien ouvert ta bouche pour dire que tu n'es pas le roi de ce village. Moi, mais un serviteur. Non, je n'ai rien dit. Oh. Mais pourquoi? Comment oses-tu parler pendant que je parle? Comment oses-tu parler pendant que je parle? Écoute-moi maintenant. Désormais, tu resteras mon serviteur. Moi, tu serviras encore parce que... Tu fous? Écoute-moi bien, je ne suis pas l'Obina que tu as toujours connu. Je ne suis plus l'Obina que tu as connu. Écoute-moi, je ne le suis plus. Va en ville et va demander qui est Obi-Wan Mama. Tu m'entends? Je ne suis plus l'Obina que tu as connu. Je ne suis plus celui-là. J'ai tué des âmes. Je ne suis plus celui que tu as connu. Tu entends? Écoute-moi bien. Si seulement je te tire ici, ce sera fini pour toi. Mais je ne le ferai pas dans un des endroits ici. Et surtout là, c'est là que tu es. Fais attention avec moi. Tu ne pourras plus uriner. Tu penses que je plaisante? Tes traits dessus ne sera rien du tout pour moi. Tes traits dessus seraient comme porter des babouches que je porte chaque jour. Allez, on avance maintenant. Allons-y. Attends, arrête-toi là. Mets en l'air. Les mains en l'air. Très bien. Hey. Sais-tu pourquoi je t'ai fait arrêter ici? Écoute-moi maintenant. Je te dis quelque chose de l'autre côté. Maintenant, écoute-moi bien. Le jour où tu vas oser merder avec moi, je ne t'avertirai plus. Le jour où tu vas merder avec moi, mec, tu seras mort ce jour-là. Va-t'en maintenant. Je te jure que tu regretteras ce que je te ferai. Va-t'en! Par ici, non? Chisom, Chisom, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cours comme ça? J'espère au moins que tu ne t'es pas attiré d'ennui. Non. Chisom, tu ne vas pas croire ce que je suis sur le point de te dire. Je t'en prie, commence déjà à les dire parce que mes oreilles commencent à vibrer. Je t'en prie. Ceci est incroyable. Allez. Hey, maintenant, je crois que des choses étranges arrivent dans ce monde. Dis-moi juste, promets-moi que tu ne vas pas crier quand je te le dirai. Je te le promets. Allez, dis-le-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Tu ne vas pas crier quand je te le dirai, n'est-ce pas? Je ne le ferai pas. Ok. Tu peux croire que Obina est de retour dans ce village? Quel Obina? Obina, non? Obina m'a dit. Le même Obina que Ibe a fait fuir de ce village. Je veux dire, le même Obina que tu as rejeté dans le passé. T'es vraiment bizarre.
Alors, qu'est-ce qui est si spécial et surprenant avec ça? Hein? Ces misérables garçons qu'on aurait dû envoyer à la forêt maléfique parce qu'il est inutile et insensé. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui est intéressant avec cette nouvelle? Écoute, il a intérêt de ne pas s'approcher de moi cette fois-ci parce que s'il ose, je vais personnellement l'arrêter. Oui. Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose que tu ne sais pas si tu vas le faire arrêter ou pas. Je disais que il aurait venu dans ce village avec beaucoup d'argent. Genre, il aurait venu comme un big boss avec beaucoup d'argent. Attends. Égaux. Mon chéri Obidé est revenu dans ce village. Es-tu sérieuse? S'il te plaît, où est-il? Je l'ai toujours su. J'ai toujours su que ces garçons finiraient par devenir riches. S'il te plaît, où est-il? Je dois aller le voir. Hein? C'est vraiment toi qui parles. Quoi? Est-ce que ça va? Lâche-moi. L'Obina dont je suis en train de parler, c'est le pauvre, inutile, sale Obina. La personne que tu as rejetée, souviens-toi. Mon chéri Obina, il est beau, intelligent et brave. Ma belle, je sais très bien de qui je parle. Allez, inutile. Si, te plaît, arrête-toi là. C'est quoi ces bêtises, non? Hein? Écoute-moi. Obina m'appartient. Je suis venue juste te dire pour que tu me conseilles et non pour me dire de bêtises. Ah, foutaise. Chigo ou je ne sais quoi ton nom. Si je te vois tout près d'Obina, si j'ose te voir tout près de mon chéri Obina, je te mettrai un morceau, idiot. Tissot, tu es stupide. Tissot, tu es malade. Et maintenant, tu dois m'écouter et m'écouter très bien. Obina m'appartient et il n'a rien que toi ou quelqu'un d'autre peut faire pour ça. Et toi, tu ferais mieux de rester loin de moi. Chigo, tu me cherches. Commence à partir avant que je ne commette un meurtre. Hein? Je dis pars. Chigo, allez, pars. Casse-toi. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Disparais. Écoute, je te préviens, ne me cherche pas, Chigo. Ne me cherche pas. Oh, pars de cette parcelle, casse-toi. Allez, pars. Disparais. Voleuse des petites amies. Si je te vois tout près d'Obina, si j'ose te voir tout près d'Obina, Chigo, j'en finirai avec toi. Idiote. Regarde-moi celle-là. Regarde-moi celle-là. Qui je t'attrape seulement? Sale pute. Obi? Hey. Obi, you. Bon retour, mon amour. Laisse-moi, va-t'en d'ici. Tu es folle. Bienvenue qui? Tu as perdu la tête? D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux faire chez moi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Obina, donc tu es revenu et tu n'es pas venu me chercher? Obina, est-ce que tu es stupide? Tu dis que tu vas bien? Oui. Non, je ne pense pas. Es-tu sûr que tu sais à qui tu parles? Obi? Je parle à Obi. Je suis toujours Obina. Ces garçons inutiles, les chasseurs, ces garçons du village qui puaient, qui te dérangeaient dans le passé. Je suis de retour et plus puissant maintenant. Idiote. Obi, tout ça c'est dans le passé, chérie. Tu sais que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je vais te... Laisse-moi. C'est quoi ton problème? Obi, tu es l'amour de ma vie. Depuis quand? Depuis je t'ai combien de temps? Depuis toujours. Ah, s'il te plaît. Tu sens. Quitte cet endroit avant que je ne te manifeste ma colère. Va-t'en d'ici. Obi, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je t'en prie. Es-tu folle? Je parle et tu veux... Va-t'en. Très bien, dans ce cas. Obi, c'est quoi ton problème? Obi, bébé, pas ça, s'il te plaît. Es-tu folle? Mais je t'aime. Je le jure. Pourquoi veux-tu m'embarrasser? Obi. C'est quelle blague comme ça? Bébé, tu sens, honnêtement, maintenant, tu me déranges. Tu abuses de mes droits humains. Hey, où est mon téléphone? C'est parce que je suis pas venu avec mes garde-corps. C'est parce que j'ai vu que c'était mon village et je n'ai pas besoin de venir avec eux. Pourquoi m'embarrasses-tu comme ça? Oh mon Dieu, écoute-moi. Obi. Va-t'en d'ici. Oh, Obi. Es-tu folle? Ne me pousse pas à verser tout ça sur toi. Je vais jeter tout ça sur toi. Sais-tu où j'ai acheté cette eau? Je l'ai acheté depuis les États-Unis. Ne me pousse pas à la jeter sur toi. Obi. Idiote. Obi, je t'en prie. Hey, si je le verse sur toi, je vais voir ta tête sur une assiette. Es-tu folle ou quoi? Très bien. Je vais appeler mes gardes-corps. Obi, je suis là. Allô, allô. Mohamed. Mohamed. Où es-tu? Est-ce que tu es encore au Nigeria? Mohamed. Quel Mohamed? Peux-tu venir avec tes hommes? Obi. Peux-tu venir avec tes hommes forts? Même toi. Obi, s'il te plaît. Mohamed, mais je te parle.
vie. Oh non. Idiot. Hey. Il y a des gens ici qui veulent me kidnapper. Ils sont venus me chercher. Sûrement, c'est pour prendre mon argent. Où es-tu? Cette bouche. Cette bouche, tu m'as tiré dans lui. Tu m'as vraiment tiré dans lui. Oh mon Dieu. Oh, Obi. Obi, pitié. Mohamed, arrête tout ce que tu dis là. Viens maintenant. Dis-moi, c'est quoi tout ça? Pourquoi tu m'embarrasses comme ça? Ça signifie quoi tout ça? Hein? Je suis désolée. Je voulais juste te surprendre. Me faire une surprise? Comment? Tu sais que je peux te poursuivre? Tu sais que je peux te poursuivre? Je suis vraiment désolée. C'est juste que... tu m'as manqué. Qui t'a manqué? Laisse-moi tranquille. Et loin de moi. Qui t'a manqué? Attends. Ce n'est pas toi, Chikom. Chigozir. Ou bien mes yeux me trompent. Donc tu t'es rappelé de moi. C'est moi, Chigo, l'ami de Chisom. Le monde ne cessera de nous étonner. Celle qui a poussé son ami à me haïr et à me rejeter. Seulement parce que je suis un garçon du village. Non, ce n'était pas moi. Écoute, je lui disais toujours de t'aimer. Mais elle refusait. Elle disait qu'elle ne pouvait pas aimer un homme du village comme toi. Hey. Obi, s'il te plaît. J'étais toujours aimée depuis longtemps. C'est juste que tu n'as jamais fait attention à moi. S'il te plaît. C'est bon, lève-toi. Je n'ai rien contre toi. Maintenant, il faut que tu me dises tout ce qui s'est passé ici dans ce village. Textuellement, ne modifie rien du tout. Je suis tout oui. Bébé? Qu'y a-t-il? Tu veux uriner? Je t'ai demandé de me raconter tout ce qui s'est passé dans ce village et tu veux... Avance, je suis tout oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me violer? Non. Écoute, reste là. Parle-moi seulement de ce qui s'est passé dans ce village. Que s'est-il passé dans ce village? Ok. C'est quoi ça? Tu joues au football? Tu veux faire du marquage ou quoi? Vas-y. Parle-moi de ce qui s'est passé dans ce village. La poitrine te fait mal. Chioma? Ah. Chi, bébé. Chi, comment vas-tu? Je vais bien. C'est depuis quand que tu es rentré? Bien, je suis là depuis avant-hier. Oh. Et comment se porte ta mère? Ma mère va bien. Waouh, c'est très bien ça. Chioma, tu as l'air vraiment très belle. Bien. Merci. Ravi de te voir. Je crois que je te verrai un autre jour. Je m'en vais maintenant. Pas de problème. Très bien. Au revoir. Bye. Ah. Ah. Ça, c'est ma spécialité. Ifa nyomeme. Hey.
Pas de problème. Nous allons voir comment ça va finir. Ah, Yibé. Je veux que tu prennes cette fleur. Donne-la à Chioma. Tiens. Tiens, tu peux même utiliser le sachet aussi si tu veux. Un problème? Quel Chioma? Chioma, la fille dont la mère aime s'asseoir sous l'arbre. Va juste lui remettre ça. Ok. Ok, monsieur. Très bien. Est-ce que vous êtes sérieux? Chioma, vraiment? Je pensais que vous aimez Uchizo. Ibe. Monsieur? Oui, j'ai aimé Chisom. Mais maintenant, c'est Chioma que je veux. C'est elle qui est sur le coup. Alors tu prends cette fleur, va la remettre à Chioma. Dis-lui qu'elle vient de moi. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Vous voulez dire que je devrais lui donner les fleurs? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Désolé. Ibe, tu as bu? Désolé, monsieur. Et tu aïe, monsieur. Maintenant, écoute-moi très bien. Je veux que tu prennes cette fleur et la portes à Chioma. Ok. Mais si je me fais comprendre. Oui. Très bien. Alors, je devrais donner à Chioma ou Chisoma. Mais les sons que je retiens, c'est Chi. Le reste, je ne comprends pas du tout. Chisoma, Chisobu. Ibe. Monsieur. S'il te plaît, ne me mets pas sur mes nerfs. Désolé, monsieur. Dis-moi comment Chioma et Chisom peuvent sonner de la même manière. Maintenant, écoute-moi. Tu prends cette fleur et tu la remets à Chioma. Répète après moi. Prends cette fleur et remets-la à Chioma. Répète ça. Prends ces fleurs et donne ça à Chioma. S'il te plaît, ne fais pas une phrase. Chioma. Dis-le. Chioma. Encore. Chioma. Je ne t'ai pas dit de pleurer. Chioma, dis-le. Chioma. Très bien. Prends la fleur. Prends-la, Chioma. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Je ne veux pas entendre à la fin de cette journée que cette fleur n'est pas parvenue à Chioma. Si, à la fin de cette journée, cette fleur n'est pas parvenue à Chioma, je vais avoir ta tête sur un plateau. Et tu... C'est quoi ton problème? Dis-moi, as-tu bu ou quoi? Oh, mon Dieu. Prends la fleur maintenant, va la donner à Chioma. Idiot. Idiot, qui la fout de sa patte sur toi, idiot. Regardez-moi cet idiot qui ne sait même pas quoi dire. Et je dois les donner à Chioma. Qu'est-ce que tu racontes? Idiot. Chioma. C'est quoi ça? Voilà. Non, mon cher, attends. Est-ce que tu t'es bien entendu la question? Est-ce que la police a visité la maison? Non, je demande si la police est venue visiter la maison. Ok. Oui, mon argent, tu gardes. Écoute, mon cher, honnêtement, j'ai besoin de quelques-unes de mes affaires. Oui. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas... Écoute, mon frère, je n'ai pas d'argent ici. Je n'ai pas d'argent ici sur moi. Ah, oui. Ou tu ne t'es pas demandé comment... Comment je survis ici dans ce village sans argent? Hein? Tu n'as même pas pensé à comment je vis ici dans ce village sans argent? Sans argent. Oui, c'est ce que je dis maintenant. Tu sais que je n'ai pas l'idée de rester ici longtemps dans ce village. Alors, tu vois, il faut que je... Mec, je te rappelle. Coupe l'appel maintenant, idiot. Es-tu fou? C'est quoi ton problème? Non, je ne permets pas aux gens de jouer avec mon argent comme ça. Non. C'est conteneur, je veux dire, c'est ce conteneur, ils sont en deux. Il va sacrer le million de Nera. Alors, je ne veux pas que... Mon ami, écoute-moi. Quand je parle, tu m'écoutes. Oui, c'est ce que je dis. Mais là, c'était en passant. Non, écoute-moi. C'était en passant, écoute-moi. L'autre conteneur là, à moitié plein, vaut 50 millions de Nera. Mais l'autre là, je ne l'ai pas encore ouvert. Non, pas encore.
Mais là, c'était en passant. Hein. Va dans mon immeuble. Oui, l'autre immeuble là. Je sais que le portier ne te laissera pas entrer. Mais dis-lui que ça vient de moi. Oui. Très bien, je vais l'appeler. Bon, je vais lui écrire parce qu'il il a le téléphone de touche. Je vais lui faire un message, comme ça il saura quoi faire. Va juste dans ma chambre, tu vas voir. Tu sais que ma chambre est vaste. Hein. Va là-bas, il y a un tiroir. Oui, les tiroirs là, en métal. Non, quand je parle, tu m'écoutes. Oui, ouvre les tiroirs, tu verras qu'il y a 100 millions de nègres là-bas. Oui, il y a 100 millions de nègres là-bas et... Je vais te chauffer au téléphone. Tu es fou? C'est quoi ton problème? Arrête de me faire mal à la tête comme ça. Prends seulement 2 millions de nègres et donne à ces gars. Laisse-moi tranquille. En fait, parce que tu m'as énervé. Oui, parce que tu m'as énervé. Tu prends juste 500 000 nègres, comme ça tu vas te réjouir pendant le week-end. 500 000 nègres, ne prends pas 1 million. Je sais de quoi je parle. Ne vole pas mon argent. Oui. Oui, prends cet argent et je vous reviendrai plus tard. Non, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je me détends là où je suis. J'aime juste avoir de l'air frais de là où je suis. Oui, je suis vraiment fatigué de la vie difficile là-bas. Et dis aussi au portier de se rassurer que les voitures sont lavées. Il peut même prendre 5 voitures hein, pour amener au car wash. Oui, parce que je ne sais pas quand je reviendrai. D'accord, on se parle plus tard. Il y a quelqu'un qui est venu me rendre visite. Non, il faut arrêter de m'énerver comme ça. Non, je n'aime pas ça. Non, quand je parle, tu m'écoutes, tu comprends? Je te parle parce que je sais que tu n'es pas nigérian. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je comprends, je comprends. It's not a problem. Pas de problème, tu connais ma voix. Très bien. Goodbye. Goodbye. Très bien. Ah, c'est Jean. Salut, mon sucre, mon amour. Tu viens juste de m'appeler une visiteur. Je ne suis pas plus une visiteur pour toi. Oh, mon bébé. Je ne voulais pas t'appeler visiteuse. Tu n'es pas une visiteuse. Comment puis-je t'appeler visiteuse? Tu sais, les gens avec qui je parle, ça, c'est les affaires. Ils ne sont même pas nigérians. Je leur parle comme ça parce que je sais qu'il y a les affaires dedans. Celui avec qui je viens de parler maintenant, il vient de Portugal, quoi. Tu ne vas pas comprendre la manière dont je parle comme si tu faisais les affaires avec moi. Viens, assieds-toi, assieds-toi. Tu n'es pas une visiteuse, comment peux-tu l'être? Hey, hey. Tu m'as encore apporté à manger. Oui. Ne le prends pas comme ça. Comment puis-je appeler mon ange une visiteuse? D'accord, tu es très belle. Je mettrai des sourires sur ce visage. Ah, écoute, très bientôt, tu viendras avec moi en ville et je vais te gâter. Je vais te faire enlever tout ça. Et puis, nous allons même déchirer ça. Je trouverai des cheveux péruviens. Tu connais les cheveux brésiliens? As-tu déjà entendu parler de ça? Tu connais les cheveux humains? Allez, je sais que tu ne connais pas. Je vais te gâter. Il me suffit juste de te regarder. Je sais que je vais te gâter mal. Que m'as-tu apporté? De la nourriture. Tu as apporté quelle nourriture? Oh, tu veux qu'on sorte pour aller manger? Non, non, non. Qu'on sorte dîner? Non, 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 tu vas beaucoup l'aimer. Es-tu sûr? Oui, je suis sûr. Es-tu sûr? Oui. La voilà encore. Hein? Attends une minute. Et c'est comme ça que tu t'abîmes vraiment. Et tu es une bonne. Une bonne. Hey, Tioma. L'effet du Saint-Esprit. Hey. Que veux-tu dire par là? Donc on ne peut pas aider un ami? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Insensé. Sans effet. Tu penses que je ne connais pas ton plan? Non, 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 continue. Tu balayes, hein? En train de bouger ta hanche, comme tu as vu quelqu'un. Continue, continue comme ça. Prie pour que ton plan marche. Monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que tu veux lui faire ici? Parce qu'en ce que je sache, Obina n'est pas ton ami. Où? Hein? Mais c'est qui Obina? Hein? Obina, mon ami. C'est idiot. Je suis venu ici pour l'avertir de s'occuper de ses affaires. Oui, il devait s'occuper de ses affaires. Parce qu'un jour, je vais en finir avec lui. Il connaît très bien comment j'ai réagi la fois passée. Ibe, laisse-moi te filer un conseil. Tu as intérêt à rester loin d'Obina, sinon il te fera arrêter. Il t'enverra à la prison moi, pour toujours. Obina, non, il ne sera même pas. Je veux en finir avec lui. Il va me sentir. Je veux l'apprendre une leçon qu'il n'oubliera jamais de toute sa vie. Ok, c'est bon, ça suffit. Il va me supplier de lui pardonner. Ibe, je te préviens. Oublie d'abord cette histoire qui n'a même pas de sens là. Je vais bien en finir avec cet idiot-là, tu vas sentir. Je vais partir.
Et je vais revenir. Il va sortir de cette parcelle. Je le trouve. Il va me sentir. Hey. Attends, reviens ici là. Reviens ici. Bien fait pour toi. Où est le vin de palme frais que je t'ai demandé de m'acheter ce matin? Oui. C'est là où je vais partir. Je vais d'abord pisser et puis je vais partir. Attends, écoute-moi. Je ne plaisante pas avec toi. Je ne blague pas avec toi. Va lui trouver du vin de palme frais et reviens ici. Tu viens encore ici parce que tu as quelque chose à faire pour moi. Oui, je sais. Je vais d'abord. Oui, vas-y, pisser. Mais tu fais très vite. Ok. Mais qu'est-ce qui te fait rire, toi? Il a foutu de sa balle sur toi, idiote. Penses-tu que tu es forte que moi? Mon Dieu est plus fort que toi. Tu es là juste en train de parler. C'est quoi cette histoire ici? Regardez-moi cet idiote. Tu risques de te tuer toi-même. Yvette, tu dis? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu dis que le vin des palmes fait quoi? Je disais, le vin des palmes. Hein? Vous voulez que ce soit très fort, hein? C'est ce que vous voulez? Et vous voulez les vins forts? Oui, je veux que ça soit fort, mais que ça soit frais, s'il te plaît. Tu comprends? Vas-y maintenant, s'il te plaît. Vas-y. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Tu es fou. Tu veux encore pleurer? Tu veux qu'elle rie encore? Va-t'en d'ici. Idiot. Chérie, c'est bon. Ne t'occupe pas de cet idiot, c'est bon. Hein? Obi va aimer cette nourriture. J'en suis sûre. Oh, yeah, le feu. Hey, Chisom. Hein? Chigom. Hein? Bienvenue. Quoi? Ah, Chisom. Quoi? La façon dont tu prépares aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai jamais vu préparer comme ça. Ma chère amie, je réfléchis. Je me suis dit qu'il serait mieux que nous puissions commencer à aider nos mères. Donc c'est pour ça. Chisom. la Chisom que je connais, nous devons parfois aider nos mères. Ok. S'il te plaît, je peux avoir du piment? Du piment? Mais pourquoi? Du piment? Mais pour quelle raison? Fais-le-moi savoir. Mais le piment est utilisé pour quoi? Préparer, non? N'est-ce pas que c'est toi qui m'avais dit qu'à chaque fois que ta mère part au marché, qu'elle n'achète pas tous les épices, tu ne cuisines pas à ses jours et tout le monde à la maison dort en famille? Alors, je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Je l'ai dit, je sais. Mais tu sais, à deux fois, d'autres choses pourront changer ta façon de voir. Ok. Et j'ai décidé d'aider ma mère aujourd'hui. Tu sais, cette femme fait de son mieux. Donc, voilà un peu, c'est ça. Chisom. Hein? Chigo. Est-ce que c'est toi qui dis tout ça ou soit il y a quelqu'un derrière toi? C'est moi qui l'ai dit, personne n'est derrière moi. S'il te plaît, tu as du piment ou pas? S'il te plaît, j'en ai. Et je vais te le donner, t'inquiète. Hé! Hey! Regardez ça. Hé, hey, oui! Hé, hey! Oh mon Dieu. C'est ça. J'espère au moins que ça suffira. Oui, ça va suffire, ne t'inquiète pas. Oui. Va cuisiner pour ta mère. J'ai déjà donné ce que tu cherchais. Quoi? Tu ne sais plus parler? Est-ce que vous allez finir tout ce qui est dans cette marmite? Je le savais. Je savais que tu ouvrirais la casserole. Oui, nous allons tout finir. Allez, ça suffit, pars. Chisom, donne-moi un peu, non? Chisom, Chichi. J'ai pas le temps s'il pour toi. S'il te plaît, donne-moi un peu, non? Supplie ton ami. Mendiante, je ne te les donnerai pas. Je crois déjà t'avoir donné ce que tu étais venu chercher. Alors pars. Dois-je partir? Reste. Tu sommes donc, je dois partir. C'est pas juste. Oh. Je m'en vais. Oh. Je n'ai rien à te donner. Pars.
C'est ça le mal avec vous. Tu demandes une chose intelligente et tu veux encore une autre. C'est plus le piment que tu veux. Hey. C'est trop bon. Tu vas aussi prendre ça, d'accord? Mange ça. Attends. C'est très bien ça. C'est exactement ce que je vais manger quand je voyage pour la première fois en dehors de ce village. Dans ce restaurant. Hey! Chigo, donc c'est pour ça que tu es venu me demander les piments? Pour que tu puisses cuisiner cette saleté pour mon mari en devenir, c'est ça? Hey! Oh mon Dieu, dis-moi que je suis en train de rêver. Cette saleté, c'est ce que tu as cuisiné? C'est pourquoi tu as préparé la viande que tu n'as jamais préparée pour ta mère pendant des années. Et en quoi est-ce que ça te concerne? Akuna Kuna, dis quoi est-ce que je t'aimais? Que je cuisine pour ma mère ou pas? Dis-moi celle-là, qui rigole avec toi? Oh mon Dieu. Regarde-toi. Tu m'appelles une pute? C'est toi qui es une vraie pute, si c'est ce que tu es. Maintenant, écoute-moi. Obina m'appartient et tu le sais bien. Alors reste très loin de lui avec ces poisons que tu appelles nourriture. Il ne t'aime pas, ma belle. Il ne t'a jamais aimé et il ne t'aimera pas. C'est moi qui l'aime. Plutôt que tu enfonceras cela dans ta tête, mieux sera pour toi, petite salope. Laisse Obina tranquille. Il ne te veut plus du tout. Tu lui avais dit non et il n'avait rien du tout. Et maintenant qu'il est millionnaire, tu veux venir manger là où tu n'as pas travaillé. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera j'avais pas. J'avais dit non à sa proposition. Oui, j'avais refusé. Mais j'ai changé d'avis. Il est à moi et à moi seul. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je perds mon temps avec toi. Hey, voler tes petits amis. N'essaie surtout pas. N'ose pas le faire. Hey, écoute-moi, je suis toujours en train de te parler. Restez très loin d'Obina. Restez loin d'Obina. Je connais bien. Restez loin d'Obina. Ne me cherche pas. Restez ne me cherche pas, d'Obina. Reste loin de mon nom. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas t'approcher de lui. Attends, tu verras. Tu vas pas t'approcher de lui. Doucement. Du calme. Je vais te frapper, je t'ai dit. Tu ne vas pas t'approcher de lui. Il est à moi. Du calme. Tu ne vas pas t'approcher de lui. Attention, vous allez vous blesser. Doucement. Arrêtez ça. Doucement. Restez loin de lui. Je suis fatigué de vous parler. Restez loin de lui. Du calme. Et toi, qu'est-ce que tu as porté ici? Aujourd'hui. Du calme. Tu vas voir. Dis-moi, qu'est-ce que tu as porté ici? Du calme. Restez loin de lui. Restez loin. Je vous dis de vous calmer, vous ne voulez pas. Très bien. Continuez. Je vais voir ce qu'il y a ici. Écoutez-moi, s'il vous plaît, arrêtez. Calmez-vous. Du calme. Tizom, il n'y a pas de cuillère. Tizom, est-ce que tu as mis la cuillère? Je le répète, restez très loin. Il y a une cuillère ici. Restez loin, Dominique. Ah, mais tu vois, je viens de manger, mais je mange encore un peu. Tizom, s'il te plaît. S'il te plaît. Retiens encore pour quelques minutes. Je te préviens. Je vous parle, mais vous ne comprenez pas. Doucement, calmez-vous. Obi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te poursuit? Hein? Y a-t-il un problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te poursuit? Pourquoi cours-tu comme ça? Hein? Pourquoi tu cours comme ça? C'est quoi le problème? C'est toi. Je suis ton problème. Oui, tu es mon problème. Je n'arrive pas à dormir. Et je me stresse beaucoup. Obi, je t'aime beaucoup et je ne veux surtout pas que quelqu'un nous sépare. Chigozier, dis-moi, qui est-ce que tu penses peut se mettre entre nous? N'est-ce pas cette fille inutile? Cette fille qui couche avec tous les hommes du village. Hey. Hey, Chigo, es-tu aussi jalouse? Alors, qu'est-ce qui te fait croire que je vais retourner avec Jason? C'est elle-même qui s'efforce dans ma vie. Elle a fait tout ce qui est humainement possible pour se rassurer de ma voix. Mais tu me connais. Elle m'a rejeté, abandonné, quand je n'avais encore rien du tout.
Qu'est-ce qui te fait croire que je vais retourner avec elle? Non, c'est impossible. Tu es tout ce que je veux dans cette vie maintenant. Oui. Merci. Il n'y a pas de quoi. Elle pense qu'elle peut juste avoir comme ça. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Je suis heureuse d'entendre dire ça. Bien sûr, tu dois être heureuse. Donc, je ne peux pas m'inquiéter. Rien du tout. Tu n'as absolument aucune raison de t'inquiéter. Tu m'as moi. Toi, tu es vraiment jalouse comme ça. Tu es jalouse. La jalousie. Hey. Où est-ce que tu vas? Ah. Je cherche un endroit où aller manger. Je suis affamé. Tu me connais très bien. Je ne peux pas entrer dans tous ces petits restaurants ici, dans les villages, pour aller manger. Tu sais que moi, je peux facilement contracter de maladies dans ces petits restaurants du coin. Ça ne serait pas un problème pour moi d'aller je sais pas où, même voyager en dehors du pays, seulement pour trouver à manger. Après tout, j'ai de l'argent à dépenser. Alors, quoi d'autre? Quoi? Tu devrais me le dire. Tu sais quoi? Va à la maison. Et moi, je vais préparer un très bon repas. Dis à ton estomac que je te ferai quelque chose de mieux. Oh, chérie, c'est vraiment gentil de ta part. Mais au contraire, je n'aime pas être un fardeau pour qui que ce soit. Je n'aime pas voir les gens se stresser pour moi. Je ne veux pas te stresser. Non, attends. J'ai de l'argent à dépenser. Écoute, mon chéri, si je n'utilise pas l'argent que j'ai là, je vais toujours le donner aux gens. Alors laisse-moi juste aller trouver de la bonne nourriture et manger. Je serai bien. Cela n'est pas un problème. D'ailleurs, j'aime quand tu me déranges. C'est vrai? Tu sais, j'aime tellement quand tu parles comme ça. Alors? Tu sais, je ferai tout pour toi, mon amour. C'est vrai. Pas de problème. Pas de problème. Il faut que j'aille à la maison maintenant pour t'attendre. D'accord? C'est bon. C'est pourquoi je t'aime. C'est pourquoi je t'aime. C'est bien. C'est bon. Mais tu me tues en cours de route ou quoi? Laisse-moi les attendre à la maison, d'accord? Très bien. Sois prudent. Hein? Okay. Je t'attends, hein? Je t'attends, d'accord? Okay. Ne prends pas beaucoup de temps, s'il te plaît. Comme je te dis, j'ai faim. En fait, j'ai vraiment très faim. Chison, hein? Oh, ma Diego. Hein? Comment vous allez? Obi, je veux que tu puisses faire un choix entre moi et Chigo. Si c'est tel que tu veux, dis-le-moi clairement et je resterai loin de toi. Mais pourquoi tu me racontes tout ça? Comment tu peux dire ça? Honnêtement, je viens d'être insulté. Alors, tu viens de m'insulter. C'est-tu que tu viens d'insulter ma personne? Est-ce que c'est parce que j'avais accepté de vivre avec... Attends. Que penses-tu que je ferai avec cette sale fille, tu causier? Est-ce que j'en sais? Oh. Tu penses que je ne la voyais pas quand je courais derrière toi? Très bien, laisse-moi le dire à la manière que tu comprendras. Chérie, tu sommes. Honnêtement, tu ne comprends pas. Chérie, c'est toi que je veux. C'est toi que j'aime. C'est toi que mon cœur désire. Écoute, peu importe ce qu'elle fait. Laisse-la continuer à faire ses bêtises autour de moi. Mais au final, c'est toi que je vais épouser. Oh. Obi, es-tu sérieux? Oui. Oh. Obi. Oh. Ne t'inquiète pas. Écoute-moi, laisse-la faire tout ce qu'elle veut. Hein? Je veux continuer à me jouer d'elle. Jusqu'à ce qu'un jour, elle aura sa carte d'invitation pour le mariage. C'est pas vrai. Oui. Obi. Oui, je le pense. Je suis très content d'entendre ça. Je pense tout ce que je t'ai dit. Je suis vraiment... Je t'aime encore plus. Je t'aime encore plus. Ibé, Ibé, viens d'abord.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu en train de guetter Saïda? Comment? Pour qui te caches-tu? Ah, je me cache de personne. Me cacher, pourquoi? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Je viens de chez toi. Je te cherche. Ah, ma maison. Pourquoi? Mais pourquoi tu me cherches? Hein? Hein? Ibé, hein? Tu ne cesses de m'éviter. Ah. Et tu ne réagis toujours pas. Par rapport à quoi? Oh, oh, oh. Désolé, aïe. Dieu, aïe, Dieu. Désolé, désolé, ma chère. Désolé, tu sais, j'étais en train de partir à la montagne pour consulter les anges et le saint. Ok. Tu sais, alors, ils vont consulter Dieu. Ok. Mais ils m'ont dit que je dois partir et revenir après. Parce que les gens, il y a tellement de gens qui cherchent à consulter Dieu pour les réponses. Alors, tu dois te calmer, hein? Tu sais, il y a tellement de gens qui attendent les réponses de Dieu. Et ces anges doivent consulter Dieu. Hein, parce que les gens attendent des réponses. Ibé, hein? Ce que tu dis maintenant là, je comprends pas. Les enfants de ces mondes, je sais que tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas rien comprendre du tout. Je sais que tu ne vas pas comprendre. Donne-moi juste quelques temps. Hein? Donne-moi juste un temps et tout va s'arranger. Hein? Hein? Tu vois comment ça marche? Les anges consultent Dieu et Dieu donne des réponses. Et c'est comme ça que ça marche. Ibé, hein? Es-tu sûr? Es-tu sûr que ça va? Es-tu en forme? C'est quoi cette question? Ai-je l'air de quelqu'un qui ne va pas bien? Je vais bien. Je vais bien. D'ailleurs, as-tu vu Obina aux alentours? Je vais dire Obina. Obina? Oui. Quelle Obina? Hein? Ah, désolé. Rentre-toi. Pars. Tu ne connais rien du tout. Pars. Dis-moi, c'est qui? Je pourrais t'aider à les trouver, non? Chut. Mais c'est quoi ton problème? Hein? Qui t'a dit que je vais le voir maintenant? Toi, rentre. Hein? Pars. Pars, hein? Oui, que oui, je oui, m'en aille? Oui, Seigneur, oui, oui. Oui, le Saint-Esprit dit que tu dois partir. Pars. Non, ma part, non. C'est quoi ton... Hein? Mais pars. Regarde bien ici. Tu es en train de me regarder. Allez, mentionne-les. Vas-y doucement. Elles doivent apprendre. Elles ne veulent pas apprendre. Mais nous gâche non, pas. Non, vas-y, mettez-y à l'intérieur. C'est allez, bon, arrêtez, non. Et toi, essaie de faire comment je fais. Hé, hey, c'est l'un de ma mère. Désolée. Et quand madame viendra, vas-y doucement. Oh. Je ne suis pas votre amie, ok? Apprenez donc à me respecter. Ah ah, salut. Ah, vous allez bien, oh. Oh, bienvenue. Merci. Ah, Tioma, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ah. Hey. Oh, bonté divine. Je suis vraiment désolée. Allez doucement avec elle. Je suis vraiment désolée. Doucement avec elle. Ça suffit, oui. C'est ça bon. Va, désolée. Je suis vraiment désolée. Redresse un peu sa tête. Je suis vraiment désolée. Ah, Tioma, tu as des très beaux cheveux. Et tu es très belle toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Je t'ai juste le passage et ça me réjouit de passer dire bonjour à des belles femmes. C'est vraiment gentil de votre part. D'accord, le belle dame. Bye. Au revoir. Bye. Oui, très bien. Prenez soin de vous. Très bien. Allez, vas-y doucement. Désolée, non? Ma chérie, je suis vraiment désolée. Tourne la tête comme ça. Ah, s'il te plaît, je fais de ce côté. Allez-y doucement, non? Tu veux nous laisser ton cou jusqu'ici? Hein? T'inquiète. Oh, la vie est belle. Hey! Mes chers,
Voyez-vous comment Obina est frais? Attends, Ifoma, attends. Tu viens de dire que cet homme vient de la ville? Mais de quoi est-ce que tu parles? Il n'est pas seulement revenu de la ville, mais il est revenu avec beaucoup d'argent. Il est revenu avec... Êtes-vous sérieuse? Je te dis. C'est là, juste... Désolée, continuez, Oh, désolée. J'ai oublié. Je devrais participer dans une étude biblique. Si madame revenait, dis-lui que j'irai par là. Hein, ma chère, elle va continuer tes cheveux, hein? Allez, on doit partir. Viens ici. Où vas-tu? Quand est-ce que tu as commencé à fréquenter l'église les lundis? Go. Tantine, je dois partir là-bas. Termine-le. Tu as intérêt à finir cette tresse avant de te Qui te parle? Tais-toi. Tenez bien soin de vous. Oh. Je reviens, je me dépêche. Priez pour nous. Oui, ne vous inquiétez pas. Je reviens. Non, c'est pas comme ça. Désolé. Fais comme ça. Oui, comme ça. Désolé. Laisse-moi. Non, arrête. Ne t'en fais pas, je vais le terminer. Hi. S'il vous plaît. Désolé, s'il vous plaît. C'est quoi? Merci. Hey. Je remercie Dieu, je ne t'ai pas perdu. Hey. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Ou c'est Chuma qui t'a dit de venir? Non, il n'y a rien. Aussitôt que je vous ai vu, j'ai directement su que c'était vous. Je ne comprends pas, de quoi parles-tu? Tu savais que j'étais qui? S'il vous plaît, ne soyez pas fâché. Non, je ne suis pas fâché. Tu viens vraiment de la ville? Oui. Merci Seigneur, Jésus-Christ, merci beaucoup. Hey, Sinde le Basakari de Sambo. Merci Seigneur, je l'ai trouvé. Je savais que tu n'allais pas me laisser tomber. Je suis vraiment désolée. Désolée, ne sois pas offensée. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as arrêté ici? Pourquoi tu lèves tes mains comme ça, comme si j'étais une divinité? Je commence à perdre patience. Ne fais pas ça, mon cher mari. Tu sais, nous devons être en train de célébrer que les dieux puissants nous a fait rencontrer tous les deux. Sais-tu combien de temps je t'attendais? Merci, très cher Jésus. Merci beaucoup, tu es grand. Tu es vraiment grand. De quoi parles-tu? Ton mari? Oui. Attends, écoute-moi bien. Je sais que tu essaies d'être amusante, mais ça ne m'intéresse pas. Non. C'est quel genre de blague? Si je veux une blague, je sais où se trouve le théâtre. Je veux aller là-bas pour suivre des blagues. C'est quoi ça? Non. Je sais que tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire parce que tu n'es pas spirituel. J'ai travaillé spirituel. S'il te plaît. Je ne sais pas de quoi tu parles. Écoute-moi maintenant. Tu m'appelles Jean, ton mari c'est ci, ton mari c'est là. Et je n'arrive même pas à comprendre. Écoute-moi, je ne suis pas ton mari. Parce que je ne suis pas marié. Tu ne peux pas être ma femme. Je n'ai même pas de petite amie. Je sais, voilà pourquoi les dieux tout puissants t'ont gardé célibataire pour moi-même. Tu es vraiment idiote. Laisse-moi t'expliquer, mon mari. Tu sais, les anges m'ont apparu 3 fois. Et ils m'avaient dit qu'un homme viendra me localiser dans ce village. Et l'homme en question, c'est toi. Tu es mon mari. Nous devons être mari et femme. Mais non, écoute-moi très bien. Parce que je suis aussi un bon chrétien. L'ange du Seigneur m'a parlé dans mes rêves. Oui, il n'a jamais mentionné une fille comme toi. Oui, il ne m'a jamais parlé de quelque chose comme toi. Parce que je ne suis pas ton mari. L'ange du Seigneur me connaît et il ne peut pas m'apporter une fille comme toi à épouser. Mais si je me fais comprendre, alors tu vas attendre d'autres hommes qui viendront de la ville. C'est cela que tu attends. Tu ne peux pas être comme ça et venir vers moi. Idiote, le fais sur toi. L'ange du Seigneur. C'est Dieu qui t'a choisi comme mon mari. Arrête ça. Arrête. Tu es mon mari. Ne t'approche pas de moi. Tu es encore là. Idiote. Regardez-moi cette idiote. Moi, ton mari. Tu es mon mari. C'est Dieu qui l'a dit. Le fais sur toi. Tu restes là. Idiote que tu es. Idiote. Tu es Regarde-la. Mon mari. Avec une mauvaise odeur, c'est elle. Tu es mon mari.
Et c'est Dieu qui t'a envoyé. Va te laver là-bas, idiote. Tu es mon mari. Mon cher mari. Mon Dieu, tu es mon mari. Regarde bien ici. Tu es en train de me regarder. Mais elles sont encore en train d'apprendre, non? Ah, elles doivent apprendre. Elles ne veulent pas apprendre. Ce non, pas vas-y, mets tes yeux à l'intérieur. Allez-y doucement, non? Si nous sommes là, c'est pour toi. Hé, hey, dans le salon de ma mère. Désolée. Comprenez-nous, hein? Vas-y doucement. Oh. Pardon. Je ne suis pas de votre niveau. Bientôt, je serai à l'université, ok? Apprenez à me respecter. Bonjour. Comment vous allez? Et salut. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. Ah, Chioma, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Hé. Oh, montez, divine. Je suis vraiment désolée. Faites attention. Je suis vraiment désolée. Ça suffit, oui. Ce n'est rien, c'est d'accord. Désolée. Désolée, redresse-toi comme ça. Mais ça fait mal. Je suis vraiment désolée. Chioma, tu as des beaux yeux. Et tu es aussi très belle. Merci beaucoup, merci. Merci. J'étais juste en train de passer et je me suis dit que ça serait mieux que je puisse saluer de belles femmes comme vous. C'est vraiment gentil de votre part. D'accord, à plus tard. Bye. Ouais, bye. Bye. D'accord, prenez soin de vous. D'accord, bye. Veux-tu m'arracher la tête? Désolée, quoi? Ma chérie, je suis vraiment désolée. Ah, s'il te plaît, je fais de ses côtés. Allez-y doucement, non? Tu veux nous laisser ton cou jusqu'ici? Hein? S'il vous plaît, allez-y doucement. Oh, vive la vie, elle est belle. Hey! Attends, aviez-vous vu comment Obina est frais? Attends, il faut m'attendre. Tu viens de dire que cet homme vient de la ville? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas seulement revenu de la ville, mais il est revenu avec beaucoup d'argent. Il est revenu avec des paquets d'argent. Êtes-vous sérieuse? Dépêchez-vous. Continuez, finissez une fois pour toutes. Désolée. J'ai oublié. Je devrais participer dans une étude biblique. S'il te plaît, si madame revenait, dis-lui que j'irai par là. Ma chère, elle va continuer tes cheveux. Allez, je dois partir. Reviens ici. Où est-ce que tu vas? Mais donc, quand tu commences à partir à l'étude biblique, un lundi comme celui-ci. Tantine, j'ai une urgente étude biblique que je dois aller participer. Et je ne veux pas être en retard. Tu dois d'abord finir cette tresse avant de rentrer chez toi. C'est ça, la dernière fois, fais-le. Tu m'en prenez bien soin de vous. Oh. Je reviens, je me dépêche. Priez pour nous. Oui, ne vous inquiétez pas. Oh, je reviens. Tu appuies très fort. Ah! Non, ce n'est pas comme ça. Ah! Désolée. Dans cette position, oui. Désolée. Non, c'est bon. Ne vous inquiétez t'inquiète, pas. Je vais le finir moi-même. Hey! S'il vous plaît. Désolée, oh, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? Merci. Hey. Je remercie Dieu, je ne t'ai pas perdu. J'espère que tout va bien. Est-ce que c'est Chioma qui t'a demandé de m'appeler? Non, il n'y a rien. Aussitôt que je vous ai vu, j'ai directement su que c'était vous. Oh, je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu savais que je suis qui? S'il vous plaît, ne soyez pas fâché. Non, je ne suis pas énervé. Vous venez vraiment de la ville? Oui, je viens de là. Pourquoi tu demandes? Merci, Seigneur. Jésus-Christ, merci beaucoup. Signe de le bassacarit de Sambo. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, je l'ai trouvé. Je savais que tu n'allais pas me laisser tomber. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, ne sois pas offensé. Tu peux me dire pourquoi tu m'as fait arrêter ici? Dis-moi pourquoi tu m'as fait arrêter ici. Arrête de me faire tes blabla avec tes remerciements. Je perds ma patience. Dégage, n'ose même pas me toucher. Ne fais pas ça, mon cher mari. Tu sais, nous devons être en train de célébrer que les dieux puissants nous a fait rencontrer tous les deux. Sais-tu combien de temps je t'attendais? Merci, très cher Jésus.
Merci beaucoup, tu es très grand, tu es vraiment grand. Mais de quoi tu me parles là? Ton époux? Oui. Écoute maintenant. J'espère que tu essaies de plaisanter, mais je suis pas d'humeur. Arrête de te faire une comédienne. Si j'ai envie de voir la comédie, je sais où se trouvent les comédiens et j'irai voir. Arrête-moi ce cirque. Non, je sais que tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire parce que tu n'es pas spirituel. J'y travaille spirituel. Hé, s'il te plaît. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Maintenant, je vais être clair. Tu étais en train de m'appeler ton mari. Écoute, je ne suis pas ton mari. Parce que je ne suis pas marié. Donc, tu ne peux pas être ma femme. Et je n'ai pas besoin d'une petite amie. Je sais, voilà pourquoi les dieux tout-puissants t'ont gardé célibataire pour moi-même. Excuse-moi, t'es vraiment stupide. Laisse-moi t'expliquer, mon mari. Tu sais, les anges m'ont apparu 3 fois. Et ils m'avaient dit qu'un homme viendra me localiser dans ce village. Et l'homme en question, c'est toi. Tu es mon mari. Nous devons être mari et femme. Écoute, tu parles de stupidité parce que moi aussi, je suis un chrétien. Les anges de Dieu m'ont aussi parlé dans un rêve. Oui. Ils m'ont jamais mentionné les noms d'une fille comme toi. Et ils m'ont jamais parlé des choses sur toi. Parce que je ne suis pas ton mari. Parce que les anges de Dieu connaissent mes goûts. Ils ne peuvent pas m'amener une fille comme toi pour se marier. Donc j'aimerais être clair. Maintenant tu dois attendre les autres gars qui viennent du ville pour le village. Peut-être ce sont eux que tu attends. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas ton mari. Idiote, va en enfer. Tu mens au nom de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi comme mon mari. Femme. Tu es mon mari. Écoute, n'ose même pas me suivre. Et toi? Mais regardez cette idiote. Je suis ton mari. Tu es mon mari. C'est Dieu qui l'a dit. Va en enfer. Tu iras en enfer. Sorcière, tu iras en enfer. Idiote, regarde-moi cette traînée. Tu viens de me parler de blablabla, de n'importe quoi. Idiote, va te faire voir. Mais par des bêtises. Tu es mon mari. Mon cher mari, mon Dieu, tu es mon mari. Salut. Dis-moi, ma, comment tu vas? Tu apprécies ce que tu vois? Mon mari, est-ce que tu apprécies ce que tu vois? Est-ce que tu aimes mon corps? C'est ce que tu préfères? Attends. Est-ce que tu es la fille que je vis hier? Je m'appelle Hugo. Mais comment est-ce que tu sais où je vis? Mon mari, tout le monde dans ce village connaît très bien l'endroit où un homme beau et charmant habite. T'as raison. Oui, t'as raison. Oui. Attends, pourquoi est-ce que tu t'étais habillée comme une vieille dame hier, alors que c'est comme ça que tu es? Je peux être comme ça. C'est ce que tu préfères. Laisse-moi te dire. Je peux voir que les anges connaissent ce que tu préfères manger. Bien sûr. Et ma prophétie est finalement devenue une réalité. Les anges savent mes goûts. Je sais. Ils savent ce que je fais. Je sais. Désolé, je ne suis pas d'humeur pour ça maintenant. S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur. Si tu le dis alors, ce n'est pas un problème. Mais au moment où je me chargerai de toi... Au moment où je me chargerai de toi, la famine t'enveloppera. J'en finirai avec toi et tes paroles changeront. Tu veux qu'on va à l'intérieur? Tu veux que nous entrons? Allons-y à l'intérieur. Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour que Choma m'aime? Hein? J'aime beaucoup Choma. Si je trouve l'argent en ce moment, je vais acheter beaucoup de choses pour elle. Mais où est-ce que je trouverai l'argent? Hein? Bien. Si je trouve beaucoup d'argent, je vais acheter des bonnes choses et elle m'aimera beaucoup. Hein? Choma. Oui. Hein? Cette fille, il faut que je l'épouse. C'est quoi cette histoire? Hein? Toi, viens ici. Es-tu stupide? Viens ici.
Je dis ici, ici, ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, quelque chose en moi me dit que tu essayes de m'éviter. Tu es en train de me fuir. Moi? Oui. Comment? Ah, non, tu es fou. Tu es malade de me parler de ça. Hein? Non, j'ai dit moi. Hein? Je suis fou. Hein? Ibe, tu es fou. Oh, bon. Oui. Je crois que c'était moi. Non. Je suis malade. Je suis fou. Non, regarde. Le problème est que j'étais parti à la montagne pour prier pour que Dieu de combattre mes ennemis, de tuer tous mes ennemis. Hein? Hein? J'ai dit tous mes ennemis parce que la bataille est plus forte que moi. Tu étais allé sur la montagne. Oui. Et tu as demandé à Dieu de tuer tous tes ennemis. Oui. Oui. Et qui sont tes ennemis? Non. Qui sont tes ennemis? Non, ne vous inquiétez pas. Mes ennemis se connaissent eux-mêmes. Vous comprenez? Ah. Oui. Tu es sûr? Ibe, viens. Ok. Il y a quelque chose que tu veux. Ferme-la. Il y a une chose que tu dois m'aider à faire. Ok. D'abord, promets-moi que tu vas le faire. Je vous promets que je vais le faire. Bien. Je veux le faire. Ibe, je veux que tu puisses m'aider à avoir Choma comme femme. Uchoma. Oui. Wow, Uchoma. Que le feu te brûle. Je veux que tu puisses m'aider à avoir Choma. Je veux que tu la rendes amoureuse de moi. Okay. La rendre folle de moi. Je veux que tu puisses m'aider à acheter un cadeau pour elle, pour qu'elle soit amoureuse de moi. Non, ça, ce n'est pas un problème. Hein. Ouais, c'est de ça que je parle. Vous voyez, je connais très bien Uchoma. Elle aime... Vous savez, elle aime les cheveux de femme. Elle aime les provisions, les habits, même les chaussures. Ferme-la! D'où est-ce que je pourrais trouver autant d'argent pour... Oh. Alors, vous dites... Non, ce n'est rien, juste que je me suis juste mordi la langue. Ok, désolé. Je veux dire, par où penses-tu que je pourrais trouver toutes les choses que tu viens de mentionner? Il n'y a pas de problème. Donnez-moi juste de l'argent, hein. Je vais aller acheter toutes ces histoires et aller la livrer. Et elle va définitivement tomber amoureuse de vous. Follement. Tu es réellement sûr? Dieu, sérieux? Mais t'es sûr? Je vous dis la vérité. Aucun problème, je ferai tout ce que tu as dit. Exactement. Écoute, je ne veux pas que tu te sentes complexé. Quoi encore? Je les achèterai moi-même, mais je te les donnerai. Et tu pourras aller lui donner. Je ne veux pas que tu sois complexé parce que tu sais, t'es un villageois. Je connais ta classe, donc tu ne peux pas acheter le meilleur. J'achèterai l'original et toi, tu iras lui donner. T'en penses quoi? Pas de problème, mais donnez-moi juste l'argent. Hein? Donnez-moi l'argent. Je sais où je vais acheter tout ça. Je vais les acheter moi-même. Et je vais aller les livrer. Mais de quoi tu parles? Si toi tu parles les acheter ou bien je parle les acheter, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Exactement. Je te donnerai, toi tu iras lui donner. Je sais pas comment elle pourrait, tu sais, hein? J'ai besoin de classe. Je veux des classes. T'inquiète pas. Tu dois juste venir demain très tôt chez moi. Tu prends toutes ces choses. Et tu l'amènes chez elle. Elle va vous aimer. Hein? Elle va vous aimer. Viens demain et prends toutes ces choses. Tu les amènes chez elle. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Viens, tu vas prendre demain, non? Vas-y. Va. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais bien. Je vais venir d'accord. demain. On se verra demain. Hein? Ne fuis pas, il faut venir. Très bien. D'accord. Dieu. Idiot, lui, là. Idiot. Achetez seulement. Tu achètes, idiot, n'importe quoi. Idiot. C'est quoi encore cette histoire? N'importe quoi. Mon très cher amour, mon mari, comment tu vas? S'il te plaît,
s'il te plaît. D'abord, arrête de m'appeler ton mari, parce que je ne suis pas ton mari. Et deuxièmement, je ne vais pas bien. Bien, le temps dira si tu es mon mari ou pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oh, ma sœur. Ma sœur est dans un hôpital. Elle a été hospitalisée il y a de cela 3 et 4 semaines passées. Tout ce que je veux, c'est un peu d'argent pour prendre soin d'elle. Hey. Et c'est très urgent. Hey. Je ne m'aime pas un sou sur moi. Hey. Même Asif n'a pas d'argent, mais j'aimerais les trouver plus rapidement pour que je puisse acheter le médicament. Hey. Elle a aussi besoin de manger quelque chose. Aïe, aïe, l'hôpital. Ah. Il s'agit de quelle somme? C'est juste une petite somme d'argent qu'on parle, parce que d'après moi, je ne peux pas lui acheter de petites choses. Je veux qu'elle puisse prendre un bon soin pour qu'elle soit... Oh. Ça demande juste... C'est juste une somme de 30 000. Hey! 30 000! Qu'est-ce qu'il y a? 30 000! Ah! C'est vraiment beaucoup! C'est une petite somme... C'est vraiment beaucoup! La pauvreté! 30 000! La pauvreté! 30 000 naira, c'est quoi? Si j'ai pas envie, je pourrais trouver 30 000 naira. Hein? C'est quoi 30 000 naira? C'est rien du tout. Hey, 30 000, c'est vraiment beaucoup. Mais si je demande... Je sais pas si je pourrai enlever un fil. Mais je peux chercher et en trouver pour toi. Tu peux? Oui. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, tu es la meilleure. Tu es la meilleure. C'est pourquoi je suis ta femme. Je suis une bonne femme pour toi. Hein? Tu es la meilleure. Attends, c'est comme je te l'ai dit, c'est urgent. Tu pourrais aller prendre cet argent très rapidement et tu pourras revenir. Tu comprends, hein, parce que je ne peux pas tarder ici. Je devrais déjà être à l'hôpital, s'il te plaît. Mais je veux que nous allions d'abord. Chérie, attends, je sais. Ne fais pas comme si j'étais du sel, comme si je veux finir. Je suis ici, je ne veux pas fuir. Hein. Je suis là pour toi. Va prendre juste cet argent. Je t'ai dit que c'est urgent. On pourrait revenir et on se tue, on fait tout ce qu'on fait. Hein. Premièrement, va d'abord prendre l'argent. Hein, et ensuite, tu pourras... Mais attends d'abord. Fais-moi un câlin. Juste un câlin. Oui. Tu veux m'étrangler ou quoi? Non. Cela m'a vraiment fait plaisir. Ok, je te fais un câlin. S'il te plaît, va maintenant pour que ma sœur mange. Sans la nourriture, elle ne peut pas boire ta les médicaments. Sœur, ok. Oui, s'il te plaît. Okay. Merci. Merci. Tu vas plus tard. D'accord. N'oublie pas. Ok. Hey. Même si tu as l'état d'arrestation. Ah, tiens. Mon mari. Hey. Est-ce que tu as réussi? Oui, bien sûr. Hein? Oui. Je fais les mecs. Merci. Merci. Hugo, tu sais quoi? Quoi? Tu sais quoi? Quoi? Hugo, tu es la meilleure. Je le sais. Allons à l'hôpital maintenant. Hey, hein? J'apprécierais qu'on puisse partir nous deux. Juste que le docteur a dit que c'est juste le membre de la famille. Que peuvent la rendre visite, juste les instructions de l'hôpital. J'espère que tu comprends. Ouais, bébé, attends. Mais je suis aussi un membre de la famille. Je sais, mais c'est de ça que je te parle. Il ne fait que le membre de la famille. D'autres personnes seront juste mariées aux membres de la famille. Tu comprends, il n'y a pas vraiment le lien. Fais par là. Oh.
Désolé. C'est cette fille qui vient de passer. Cette fille est mauvaise. C'est une démone. Cette fille, c'est une sorcière. Tu sais quoi? Cette fille m'a tellement dérangé pour que je puisse me marier à elle. Ouais, je te dis, je veux franchement refuser avec cette idiote. Comment pourrais-je épouser une idiote? Es-tu sérieux? T'inquiète, tu m'occupes d'elle. Non, ne pars pas le frapper. Attends. Non, tu dois la laisser, elle ne doit pas savoir notre histoire. Regarde. Je ne veux pas qu'elle puisse envoyer des gens pour nous tuer. Tu sais que c'est toi que j'aime. C'est toi que je suis amoureux. C'est toi qui seras ma femme, degré. Regarde, une fois que je serai mariée à toi, on va quitter ce village et partir là-bas en ville. Où personne ne pourra nous voir. Il n'y aura personne qui pourra nous embêter. Il n'y aura personne qui pourra. Attends. Attends. Viens. Allons-y, merci pour l'argent. Obaino, qui est là? Odogo, Awazo. Awazo. Ibe, Ogene, qu'est-ce qu'il y a? Ago. Oh, obligé. Regarde cet homme. Ibe, qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis que je te vis dans ce village, je ne t'ai jamais vu aussi excité comme ça. Qu'est-ce que tu fais chez mon tréteau comme ça? Ne vous en faites pas. Je vais répondre à ces deux questions. La première, quelqu'un est en train de gagner le cœur de son amoureuse pour toujours. Et deuxièmement, je suis venu ici le matin parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Ibe, comment est-ce que tu le sais? Il n'y a pas le temps à perdre. Mon pote, je ne veux pas perdre du temps. Dis-moi, qu'est-ce qui te rend aussi excité? Dis-moi, c'est quoi la raison, mon gars? Qu'est-ce qui te rend aussi excité, hein, mon gars? Je t'écoute. Okay. J'espère que vous avez acheté toutes ces histoires. De quoi tu parles? Poli. C'est pourquoi tu as réduit ta voix. Crée à haute voix, j'ai apporté toutes choses. Oui. J'ai... Attends. Agé. Agé. Ibe, tout est là. Touche, Ibe. Regarde. Tinekene. Tout est là. Aïe. Je lui ai même ajouté quelques perruques. Vraiment? Qu'est-ce que tu penses? J'ai l'argent dépensé. Tu lui apportes des chaussures. Il y a tout à l'intérieur. S'il te plaît, Ibe, prends cette lettre. Tu lui donnes ça. Je veux le faire. Et rassure-toi. Qu'elle sache que ça vient de moi. Ne vous faites pas. Tout le monde verra ce qu'elle mérite. Ouais, je veux me rassurer qu'elle puisse aimer tout ça. Et en plus, elle va tomber amoureuse de vous. Hey, je suis impatient que ça arrive. Ça va bien marcher, c'est sûr, ça va marcher. Je peux pas attendre. Mon gars, tu sais, et s'il te plaît, va, on va se voir après. Obligé. Je t'attends ce soir. Voilà, j'attends les bonnes nouvelles. Rentrez. Dans ta wanku. Ok. Idiot, qu'est-ce que tu racontes? Dieu va te punir. La foudre va s'abattre sur toi. N'importe quoi. Regarde-moi ça. De n'importe quoi, tout ça. C'est idiot, vraiment. Idiot. N'importe quoi. Jésus. Obina, Dieu va te punir. Regarde ces bêtises. Et Dioma, Dieu l'amour de ma vie. Si tu reçois ces colis, je t'en donnerai beaucoup et je t'aimerai beaucoup. Dieu va te punir. Idiot toi, Mougou, je t'aime mon Tchouma. Hein? Je t'aime mon Tchouma. Dieu va te punir. Et tu penses vraiment que tu vas gagner son cœur avec des colis, avec des cadeaux et de l'argent. Hein? Ne t'inquiète pas, tu verras le mariage. L'aventure du mariage.
Joma et Ibi. Toi, Onyala, idiot. Idiot, Dieu va te punir. C'est ton père, ta mère et ta soeur que tu aimeras à jamais. Onyala, idiot. Mon Choma, il serait toujours là à tes côtés. Hein? Toi, tu es venu au village. Dieu vraiment va te punir. Attends, tu vas voir. Ti? Non, 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 non. En tout cas, pas ce matin. Je te l'ai dit, je ne veux pas de ça. Tu es vraiment inutile jusqu'au point que... La chose que je préfère faire ce matin, c'est de venir chez moi et détruire la paix de ma maison. Ti? Qu'est-ce que tu me veux, Ibé? Ne t'ai-je pas dit de me laisser tranquille? Écoute, si tu ne disparais pas de cet endroit maintenant, tu verras mon autre face. Je t'ai dit clairement que je n'ai rien à foutre avec toi. Pourquoi veux-tu me traumatiser avec ces stupides amours? Je ne comprends pas. Ai-je l'air de quelqu'un de ta classe? Même si je me décidais d'aimer quelqu'un, un homme dans ce village, sache que cet homme ne sera... Voilà. J'ai tout préparé. Oh, bonté hein? divine. Hey. Oui, les, oh. cheveux, les cheveux des femmes. Les cheveux des femmes. Certainement, cette personne doit être toi, Ibé. Ah, je suis tellement surprise. Hé, maman. Merci. Maman. Eh oui. Maman, écoute. Oh, c'est tellement mignon. Hey. Tout ceci pour moi? Oui, oui. Hey. J'ai tout mis pour toi. Et tu vois, je vais tout faire pour toi. Oh, mon Dieu. J'ai trouvé un très grand boulot. Hey. Ce n'est pas vrai. Maman, je ne reviens pas. Hey, ma fille, Nuka. Maman. Une fille chanceuse. Maman, mon. Ma fille et mon bébé. Hey. Alors, laisse-moi. Ah, maman, allez-y. Hey, oh. Regarde. Prends le temps de regarder Charlie. Hey. Oui. Maman. Hey. Hey. Oh, mon Dieu. Mon gendre. Vous avez raison. Viens hein? par ici, hein? mon gendre. Tu m'as convaincu. Mon gendre. Chami. Oh, maman. C'est tout ce que tu dois faire. Hein? Hein? Ramène ton mari à l'intérieur. Laisse-moi aller préparer un plat délicieux pour vous. As-tu entendu? Maman! Ok, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il faut aller à l'intérieur. Voilà, voilà. Ok, c'est bon. Maman, avec ses surprises. Hein? Mon bébé. Mon monde. Oh? Mon espoir. Et? Mon avenir. Et? Mon passé, mon présent. Tuer. Ma tombe. Eh? Maman. Ma fille, mon tout. Ah! Attends, attends. Tu veux dire que tu as décroché un nouveau boulot en ville? Bam. Allez, attends. Tu vois, je vais t'épouser bientôt et on va aller vivre en ville. Attends, attends. Après le mariage, oui. tu vas m'envoyer à l'université. Immédiatement. Oh, divine. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Ta mère a dit qu'on doit aller dans la maison. Oui, alors, Désolé. Tu m'as fait peur. Aïe. Dis-moi, ça s'est passé comment? Si vous voyez comment elle était contente. Hein? Aïe. Hein? Cette fille vous aime beaucoup. Hein? Je vous avais dit.
Je vous avais dit qu'elle va tomber amoureuse définitivement de vous. Tu vois maintenant ce que je te disais? Tu vois pourquoi? C'est pourquoi je disais, laisse-moi les acheter moi-même. Maintenant, tu as vu la réaction. Je me disais peut-être qu'elle n'apprécierait pas ces bonnes choses. Et toi, tu viens de là-bas et tu m'as prouvé que ce n'est pas le cas. Idiot. Dans ce cas, Ibe, j'irai voir Machoma ce soir. Pas aujourd'hui. Non. Bon. Elle a dit qu'elle ne veut pas que sa maman le sache. Elle ne veut pas que sa mère le découvre. Et si jamais sa mère découvre, hein, elle voudrait que tu payes pour elle les études. En fait, elle va tout laisser à votre charge. Est-ce que vous avez l'argent pour payer tout ça? Non. C'est vrai ça. Dans ce cas, on pourrait éviter sa mère, faire d'autres arrangements. Parce que moi, j'ai vraiment envie de la voir. Ah! Celle-là, c'est la pire idée. Comment? Aïe. C'est encore une mauvaise idée, celle-là. Et si vous essayez de les faire de cette façon-là, tout le village les saura, y compris aussi sa mère. Elle a dit qu'il faut vraiment que vous l'attendiez. Attendez jusqu'à ce qu'elle ira à l'université. Et après ça, elle va vous inviter. Et là, on ira ensemble. Voilà Ibe, l'idée. Attends, ce n'est pas drôle. Tu étais venu ici avec une bonne nouvelle, mais maintenant, je comprends rien. Si je t'ai bien entendu, tu veux dire que, ensemble, moi et elle, on ne doit pas se laisser voir en public. Exactement. C'est juste ça. Il faut faire comme si vous ne l'avez jamais vue. À chaque fois que vous la verrez, elle dit que si vous la voyez sur cette route, faites vraiment comme si vous ne la connaissez pas. Tu es sérieux là? Est-ce que vous avez 300 000 naira pour payer ses études? 300 quoi? 1000 naira. Oh mon Dieu. Je voulais dire... Moi, payer 300 000 naira. Ah, mon pote, je ne pense pas que ça sera possible. Je ne pensais pas que ça pourrait être comme ça. Là, ça devient dur. Vous devrez juste vous calmer. C'est pour un temps. Hey. C'est pour un temps, juste. Peu de jours, peu de semaines, peu de mois. Elle va finir les études. Et ensuite, elle va vous inviter. Et là, vous allez la voir. Ça va bien se passer. Et c'est une bonne idée. Ça va bien se passer. Je suis impatient que ce jour arrive. C'est après de vous épouser. Hein? Je vous l'ai dit. Ibe, ça c'est une bonne nouvelle. Ibe. Ça c'est une bonne nouvelle. Dans ce cas, je dois te récompenser maintenant. Oui. Je veux que tu rentres chez toi. Tu te reposes. Oui. Et après, tu viens chez moi plus tard ce soir. C'est une bonne idée. J'ai des choses que je voudrais que tu fasses pour Odoni. Ibe. Désolé mon gars, ça c'est pour m'avoir fait attendre ici. Tu sais combien de temps j'ai perdu pour t'attendre? Je ne savais pas que tu avais une si bonne nouvelle. Maintenant tu peux partir. Hey! Obaino, papa! Hey! Mon bébé, Joma, tu seras à moi très bientôt. Hey! Idiot! Dis bébé, tiens maman, n'importe quoi, idiot, et Dieu va te punir! Idiot! Et tu es même content, et tu penses que c'est vrai? N'importe quoi! Idiot. Ma chère amie, regarde-toi. Waouh. Tu es très regarde bien là-haut. Regarde un peu ta perruque. Tu brilles. Mon ami. S'il te plaît, dis-nous les secrets. Non. Je n'ai rien à vous dire pour l'instant. Le temps vous dira plus. Bien sûr que nous sommes des amis. Bien, je ne veux rien dire maintenant. C'est bon? C'est juste assez que mes invitations soient prêtes. Je ne veux pas que l'une de vous puisse me les ravir. Mais de quelle invitation parles-tu? N'est-ce pas que je parle de mon invitation de mariage? Je me marie avec un homme riche. Et très beau. Es-tu sérieuse? Fais attention. Je suis contente pour toi. Ne me touche pas. Ah.
Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu as dit que bientôt tu vas te marier, non? Alors, marie-toi. Le mariage. Oh, désolée. Elle a marié. Oh, ma belle. Ne me touche pas. Tu te maries. Je suis contente, ma belle. Quand vous marchez avec une fille de la ville, une fille universitaire, vous devez bien l'imiter. Arrêtez de marcher comme les kangourous. Allez-y doucement. C'est un pas après un autre. Allez, on y va. C'est pitoyable. Eh bébé. Et si on est en train de manger tout non, seul? Non, toi aussi. Un, deux. Non, pas comme ça. Fais-les comme il faut. Ok. Mmh. Mais pourquoi tu... Non, ce n'est pas vrai. Thibaut, je plaisante. Ok. Tu sais très bien prendre soin d'une femme. Oui. Non, ne te comporte pas comme ça. Nous sommes encore en train de sortir ensemble. Bientôt, tu vas épouser une fille de la fille, la fille universitaire. Je dois te comporter tant que telle. Moi, j'habite en ville. C'est là où j'habite. Et j'ai beaucoup d'argent. Oui, je sais. Ibé. Ibé. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Ibé. Mais qu'est-ce qui ne va pas non plus avec celui-ci? Il est tout le temps avec le verre comme un aveugle. Tonneau vide. Ibé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Ce n'est pas ça, ma chère. Ton amour me rend fou. Tu sais, à chaque fois que je suis avec toi, tellement je suis amoureux de toi, je me comporte comme un fou. C'est donc mon amour qui t'a poussé à courir jusque-là? Oui, ma chère. C'est l'amour qui m'a dit, Iwe, pars, quitte cet endroit. Et voilà, regarde, quitte cet endroit. Hein? Comporte-toi comme un fou et donne-lui une fleur. C'est bon. J'aime ça. Tu l'adores. Ok? Et tu sais quoi? Quittons ici. C'est un endroit dangereux. Ah, on a à peine d'arriver, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Attends, on va aller à un endroit là où pied faire l'amour. Sans problème. Toi, on n'aura pas d'obstacle. Mon gars. Écoute, laisse-moi te dire que tu ne veux pas comprendre. Je te dis, je suis cassé au cou. Mon gars, je le sais bien, man. Je le sais bien. Hein? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre, hein? Non, c'est tout. Hein? Là, je suis perdu. Franchement, je n'arrive pas à comprendre, hein? Comment tu peux dire ça? Hein? Comment tu peux dire ça? Une fois que j'aurai l'argent, je vais te payer. Hein? Bientôt, je vais finir un marché. Je vais te payer, hein? T'inquiète pas, bientôt, je t'enverrai ton argent. C'est juste bientôt. Bientôt, va finir tous les travaux et je t'enverrai Obi? Ton argent. Tu dis? Ok, d'accord. Mon chéri. Ah, ouais. Mon amour. Ouais, ouais. D'accord. L'amour de ma vie. Mon chéri. Obi, regarde-toi. Allez, comment tu vas? Obi, qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Je vais bien. Ok.
Si tu l'es dit, Obi. Obi, ces jours-ci, tu n'as plus de temps pour moi. Et j'aimerais savoir pourquoi. Chisom. Hein? Chisom. Regarde-moi très bien. Suis-je bien pour toi? Mais je viens à peine te demander. Tu m'as répondu que tu vas bien. Alors? Regarde-moi très bien. Est-ce que tu vois que je suis en forme? Mais tu insistes même lorsque je ne me sens même pas bien. C'est comme ça que tu vas prendre soin de moi. Même si on se marie un jour. Obi, s'il te plaît, on ne peut quand même pas en arriver si, là. Si, ça l'est. Maintenant, tu me pousses à croire que toutes les filles sont le même. Obi, je t'en prie. Je suis désolée. Je m'étais dit peut-être que tu avais un souci et que tu n'avais pas envie d'en parler. Voilà pourquoi je peux insister. Hey. Mais puis, je suis vraiment désolée. Désolée. Allez, arrête, Obi. Ok, allez, parle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. C'est ma confiance qui me tuera un jour. C'est pas pourquoi je fais autant confiance aux gens. Obi, parlez-moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'argent. Et je veux cet argent urgemment. Est-ce que tu peux croire qu'un agent de la banque était passé ici? Je lui ai donné ma carte ATM de la banque. Parce que j'ai besoin d'argent urgemment. Il a dit ok. Je lui ai remis ma carte pour qu'il retire 5000 naira. Sans quoi? Les seules coordonnées que j'ai de lui, c'est son numéro de téléphone. J'ai pris son numéro de téléphone. Je n'arrive pas à croire, depuis lors jusqu'à maintenant, il ne répond pas à mes appels. Ça fait déjà combien d'heures? Je ne veux même pas m'en souvenir. J'étais en train de l'appeler à... Obi, pourquoi tu commets une telle erreur? Même si tu étais très occupé pour le faire, tu aurais dû m'appeler. J'allais le faire sans hésiter. Chérie, tu me connais très bien. Et où attends, tu connais son adresse? Je ne sais rien sur lui. Ah, Coco. Je ne sais rien sur lui. Je t'ai dit, je le vis en train de passer. Tu me connais, je fais confiance aux gens en aveuglement. Oh. Hein? La seule information que j'ai, c'est son numéro. Il pourrait probablement voir le montant d'argent qui est dans mon compte. Donc ça l'a poussé de fuir avec ma carte bancaire. Hey! Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas parce que je m'en souviens même plus, j'ai environ 5 millions dans ce compte. L'argent, ce n'est pas mon problème. Hein? Mon problème est que j'ai besoin d'argent pour faire des appels. Vu que tu es là, je pourrais te donner une somme d'argent comme ça, tu achètes quelque chose à manger. Pour la bouffe, ce n'est pas du tout un problème. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont... Oh mon Dieu! Obi, qu'as-tu dit? Tu peux avoir une affaire de combien? Mais de quoi est-ce que tu me parles? Je ne sais pas pourquoi je fais autant confiance aux gens. C'est la même chose qui m'est arrivée en ville. Il y avait un monsieur qui travaillait pour moi. Il m'a parlé de blablabla. Il est parti à la banque. Il a pris 500 millions. Il est parti avec, juste comme ça. J'ai juste compris, c'était un homme méchant. Je l'ai laissé partir avec. Ça, c'est pas mon problème. C'est un petit problème. Mais maintenant, je n'ai même pas un sou sur moi. Je veux me recharger. Je veux faire quelques appels. Je vais te donner une somme. Hein? Obi, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais comment peux-tu remettre ta carte bancaire à un inconnu? C'est ça mon problème, faire confiance aux gens. Bien, attendons voir. Je crois que j'ai un peu d'argent à la maison. Je vais te l'apporter, le temps que ces messieurs reviennent. Non, je n'aime pas emprunter l'argent chez les gens. Tu ne me déranges pas, hein? Je ne suis pas n'importe qui, je suis ta femme en devenir. Attends. Je n'aime pas emprunter d'argent, juste détente. Peut-être on pourrait lui donner quelques heures, s'il ne revient pas. Et on pourra aller prendre l'argent, mais je suis sûr qu'il va revenir avec mon argent. Comment il peut partir avec? Comment est-ce qu'il peut partir avec ma carte? C'est quelle méchanceté ça? Hein? Est-ce que je pourrais croire aux gens encore? Attendons. Moi, quand j'étais là-bas en Chine, j'avais un ami qui m'a appelé, qui veut recharger mon compte ce matin même. Il veut me donner, mais il est parti avec ma carte. Mais c'est... Hey, je me souviens encore quand j'étais en Malgache là-bas. On gaspillait l'argent, papa, et on le donnait à tout le monde. On dépensait tout le temps. Je ne sais pas pourquoi les gens sont... Bien, c'est une leçon. Fais ce que tu ne veux pas que j'aille à la maison prendre le peu d'argent que j'ai. Attendons son retour. Tu sais quoi? Va juste prendre l'argent. Mais s'il revient avec ma carte, je pourrais te donner ma carte et tu pourrais même en faire tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, je veux juste recharger mon téléphone. J'ai besoin d'appeler mon ami. On a une réunion à faire... Hey, j'ai même oublié que j'ai une réunion importante. On est supposé faire un appel vidéo. On doit faire un appel vidéo avec les Américains. Je vais prendre de l'argent, s'il te plaît. Mais je ne veux pas que tu restes avec cette tête. Souris. Tu dois sourire pour moi. Allez. Et tu dois me faire un câlin. Tu sais que ce n'est pas facile, mais je dois sourire. Parce que j'aurai l'argent chez toi. Je reviens tout de suite. Merci beaucoup. Fais un peu vite. Hein. Je dois me recharger pour les appeler. Hey. Pourquoi les gens sont comme ça?
Ikem. 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 Je suis content parce qu'il t'est venu. Comment vas-tu? Je vais bien. Obima, arrête de me toucher comme ça, Obima. Obima, Boago. J'ai un cœur brisé. Hey! Obi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ton visage est comme ça? Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su qu'il y avait des amis traîtres dans ce village. Je n'ai jamais su qu'il y avait des hommes avec des couteaux à double tranchant. Ah! Obi, s'il te plaît, parle-moi. Si je savais, je n'allais même pas retourner dans ce village. Tu peux imaginer? Pas de problème. Obim, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Ma chère, j'avais remis ma carte bancaire à un villageois pour me retirer de l'argent. 5000 naira. La seule information que j'ai, c'est son numéro de téléphone. Depuis lors, depuis hier matin jusqu'à présent, je l'appelle, mais il ne me répond pas. Il ignore mes appels. Tu n'es qu'un. Il ne veut pas décrocher à mes appels, juste pour 5000 naira. Tu n'es qu'un. Pas de problème. 5000 naira? Hey! Ok. 5000 naira? Et alors? Tu sais, cette somme d'argent pourrait faire pour moi. Pourquoi est-ce que tu cries? Hein? Mais s'il y avait un citadin qui passait et te voit en train de crier juste pour 5000 naira, hein? Pourquoi les gens sont comme ça dans ces villages? La seule chose que j'ai besoin maintenant, oublie à propos d'argent, je veux recharger mon téléphone, j'ai besoin de faire un appel. Je dois faire un appel en groupe avec mes amis qui sont en Angleterre. Je ne peux pas parce que j'ai perdu d'argent. Je ne peux pas parce que j'ai perdu d'argent. Obi, tu sais, donne-moi son numéro. Laisse-moi utiliser notre numéro pour l'appeler. Je suis sûre qu'il va décrocher. Ou bien, tu connais sa maison? Bébé, hein? Je connais sa maison? Est-ce que je pourrais connaître sa maison? Depuis quand on a réduit la quantité pour connaître toutes les maisons dans ce village? Tu me demandes ça parce que j'ai perdu l'argent? Hein? Bon, je ne sais pas sa maison. Je ne sais rien sur lui. J'ai oublié de te dire que la fois dernière, je l'ai appelé. Son numéro n'était plus disponible. C'est pourquoi je me lamente. Mais son numéro n'est plus disponible juste pour 5000 naira. Ah, je n'arrive pas à le croire. Oh, mais comment tu avais pu utiliser une personne que tu ne connais pas pour aller déposer l'argent pour toi? C'était vraiment risqué. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Ouais, c'est ça mon défaut, ma chérie. Chérie. Oh, non. Hein? Oh, Jojago. Est-ce que tu as une somme sur toi? Est-ce que tu as une somme, n'importe quelle somme que tu peux m'aider avec? Je veux te rembourser les doubles, s'il te plaît. Hein? Si tu pouvais avoir 300 ou 200, je pourrais te donner les doubles pour ça. Ah, mon amour. Juste 300 000 ou 200 000, n'importe somme que tu as. Je veux te rembourser les doubles, bébé. Obi, j'aimerais bien te donner cet argent. Mais je n'ai jamais vu une somme pareille dans ma vie. Je veux dire, aucun homme dans ma famille a touché cet argent. Après tout, tu as des amis, tu es connu. Tu pourrais même emprunter chez un ami. Je vais te rembourser les doubles sur ça. Écoute, si tu m'apportes quelqu'un qui pourrait m'amener 100 000 ou 200 000 naira, je vais lui rembourser 1 million de naira. Si me donne seulement l'argent, j'ai envie de recharger mon téléphone. Tu peux pas comprendre ce que je ressens. Regarde-moi, regarde mon téléphone. Regarde-moi, regarde-moi très bien. Je n'ai rien. Hey. Attends, tu as dit que tu vas me donner 1 million. 1 million, c'est quoi? De quoi tu me parles, hein? Je peux même te donner des 100 millions. Ouais, je vais te donner. C'est quoi? Ce n'est rien pour moi. Je vais te donner. Oh, bébé, c'est fini, c'est fini. Juste, va prendre l'argent pour moi. Si tu peux m'aider, emprunte chez un ami. Ok, c'est bon. Je pars te s'il te plaît, aide-moi à causer avec oui, mes amis. Oui, je vais. Hey. S'il te plaît, vas-y, va maintenant, oui, s'il te plaît, vas-y. Vas-y, souris hey. Maintenant. Hein? Tu sais que j'aime bien voir ton geste. Sourire. Hey, bébé, doucement, s'il te plaît. Oh, mon amour, je sais ce que tu veux, mais va d'abord prendre l'argent. Fais vite, je t'attends, hein, chérie. D'accord, chérie. Je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Hein? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec les gens dans ces villages? Hein? Pourquoi les gens sont comme ça? Hey. Eh oh, je vais encore boire ceci. Si je savais, j'allais aussi lui demander qu'il m'apporte de la soupe. J'allais boire jusqu'à ce soir, hein? Hey! Oh! C'est devenu froide. Bon, malgré tout,
Je dois seulement manger. Chigo, as-tu découvert quelque chose à propos de... Désolée, madame. Rien du tout. J'ai demandé à tout le monde s'ils ont peut-être vu Chioma avec un homme. Ils ont dit non. Dans ce cas, avec qui va-t-elle se marier? Ma chérie, oh, je ne sais rien. Tout ce que je sais est que cet homme est vraiment riche. Regarde comment Chioma brille. Nous devons creuser plus loin. Nous devons tout découvrir. D'habitude, c'est toi qui viens avec des nouvelles, mais comment ça, tu ne sais rien? Oui, va en profondeur. Cher journaliste. Mais tout ce que je sais est que cet homme ne sera pas aussi riche que mon très cher mari en devenir. Hugo, c'est qui ton homme en devenir? Il s'appelle... Ne te dérange pas, tu les connaîtras très bientôt. Mais tout ce que je peux te dire est que il est du village voisin. Il vient juste de revenir de la ville. 3 semaines passées. Quel village voisin, Hugo? Quel village ton voisin? Ton village. Ah. Tu viendras bientôt pour notre mariage. Tu ne seras pas jalouse parce que je serai vraiment chanceuse. Hey, hi. Hugo. Oh, ma chère. Hugo. Ma chère. Les seuls hommes qui vient de la ville, qui habite dans notre village, c'est Obina. C'est ça son nom? Je ne vous dirai pas son nom, alors n'essayez même pas à me convaincre. Les jours de notre mariage, c'est ces jours que vous les verrez, face à face et en direct. Ne suivez pas cette menteuse. Tu crois vraiment que tu réussiras à nous tromper? Mais... Désolée. Mais tu te trompes toi-même. C'est quoi ce genre de jalousie, oh? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu jalouse? C'est parce qu'aucun homme ne fait attention à toi? Qui la foudre ça bat sur toi? Tu es une idiote. Ça bat sur toi. Tu es juste malade. Jalouse. Stupide fille. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Stupide fille. Rien. Tu ne réussiras rien faire. Je ne suis pas jalouse. Dégage de là. Je ne vois pas pourquoi je serais jalouse d'une menteuse. Jalouse, idiote. Arrête. C'est très bien. Ça, ce n'est pas bien. Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Je vais vivre éternellement. Ok, bien, attends, mon amour. Je vais te dire quelque chose, mais bien avant. Allez, fais-moi bisous. En fait, ce que je veux dire maintenant est que, j'ai besoin d'argent. J'en ai besoin. Je dois rajouter de nouveaux habits, des nouvelles chaussures, une collection de nouveaux sacs et les accessoires. Tu sais que bientôt je vais reprendre les études. Et tu sais, j'ai besoin de ravitailler toutes ces choses. Dieu m'a pardon. Mais qu'en es-tu de ce que j'ai acheté avant? Ces habits sont déjà déteints. Et c'est déjà fané. Je vais reprendre les études. Je dois avoir de nouveaux habits. Et quand je serai en train d'entrer dans l'auditoire, tout le monde saura que Chomé de Kanza Blaka est là. Je dois me démarquer, non, chérie? Trouve-moi cet argent. Ce n'est pas une grande somme. Tu veux encore de l'argent? S'il te plaît, chérie. Baby, yo. Aïe, yo. Aïe, moi. Bébé, tu ne réagis pas, hein? Désolée. J'étais en train de penser des données en cash. Cash? Ou bien je vais acheter les histoires moi-même. Tu sais quoi? Donne-moi l'argent. Moi, je choisis en le cash. Non, cash. En cash. Oui, le cash. T'es donné en cash. Tu es mon espoir. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans tout ce monde. Tu es mon avenir.
mon commencement et ma fin. Tu dis? Tu es mon tout en tout. Tu es tout pour moi. Je vois. Ouais. Merci, hein. Merci beaucoup. Merci, oh, je t'aime énormément. Oh yo. Oh, Ibe. Oui. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je vois que maintenant t'es là. J'espère que t'as de bonnes nouvelles. Ah. Sinon, tu rentres d'où tu viens maintenant. Ah. J'espère que t'es là pour de bonnes nouvelles. Oui, oui. Tu es sûr? Je vous dis la vérité. Si vous entendez cette information, si j'ouvre ma bouche et je vous parle de la nouvelle, vous allez aimer. Tu es sûr? Oui. Tu es sérieux? Oui. Vas-y, dis-moi la bonne nouvelle. Dieu m'a envoyé que je te dise que qu'elle va aller à l'école la semaine prochaine. Hein? La semaine prochaine? Hey, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Dans c'est ces ça, cas, oui. Je ne peux plus attendre de passer du temps avec l'amour de ma vie. Je suis impatient. Tu es sérieux? Oui. Oh, ça, c'est merveilleux. Elle a dit, elle va me donner une nouvelle adresse. Et je vais venir vous la donner. Vous comprenez? Lorsqu'elle va confirmer, je viendrai vous donner l'adresse. Ibe. Merci, monsieur. Tu es un malin. Monsieur. En fait, je vais changer ta vie. J'irai avec toi en ville. J'irai avec moi. Tu veux travailler pour moi là-bas. En ville. Bah oui, tourne-toi. Montre-moi si tu seras capable. Montre-moi. Ibe, tu as gagné une place. Enfin, merci, tu l'as fait. Tu es sérieux là? Ça veut dire très bientôt, j'irai rester avec l'amour de ma vie. C'est une bonne nouvelle. Attendez, monsieur, j'ai une question. Vous voulez dire, vous voulez aller et vivre avec elle? C'est ça le problème avec désolé, toi. Désolé, monsieur, désolé. C'est ça le problème avec toi. Mais c'est ça ce que j'ai dit. Est-ce que tu as un problème de compréhension ou bien tu n'arrives plus à comprendre? Non. Pourquoi tu ne peux pas t'occuper de tes affaires? Apprends comment à t'émêler de tes affaires et non sur les autres. Désolé. Désolé, une autre chose. Désolé pour toi-même. Une autre chose. Elle a dit que... Elle dit qu'elle a besoin d'argent pour acheter les habits et les chaussures. Hein? Les histoires qui vont l'aider à aller à l'école. Oui. Les autres chaussures? C'est ce qu'elle a dit. Les habits encore? Ah! Non! Je comprends rien, mais d'où elle pense que je pourrais trouver aussi beaucoup d'argent? Non. Désolé, monsieur. Alors, on va faire quoi? Oh, t'inquiète pas, j'irai bientôt en ville pour prendre quelques sommes d'argent. Mais t'inquiète pas pour ça, je lui donnerai l'argent moi-même. Vous allez lui-même lui donner des l'argent? Ouais, t'inquiète pas, je vais pas te déranger pour ça. Oh! Quoi, il y a un problème? Non, ça va, ça va. Vous-même, vous allez lui donner l'argent. Ouais, je lui donnerai. Mais pas de problème. Le problème est que si les gens vous voient avec Ichoma ensemble, ils vont aller raconter à sa mère. Ne me blâme pas, oh. Hein? Ne me dis pas que, oh, Ibe, c'est toi qui as causé tout ça. Non. Ça, ce n'est pas mon problème, oh. Si elle découvre, ça veut dire que tout cet argent que vous avez dépensé pour elle ira en vain. Bah oui, t'as raison. Pas de problème. Non, Ibe, attends, viens. Non, mais tu pars où? Mais comme vous ne voulez pas. Le problème avec toi est que ta tête te fait parfois oublier des choses. Parfois, ça revient. Écoute, de ce que tu viens de dire, t'as raison. Je n'ai jamais pensé à ça. Tu as raison. Dans ce cas, je vais te donner l'argent et toi, tu lui en non. Parce que je ne vais pas prendre. Il n'y a pas de problème. Ouais, vous pouvez. Non. Tu dois lui donner l'argent. Tu lui donneras. Ah, je n'ai jamais pensé à ça. Alors, je dois probablement m'asseoir et attendre. Va chez toi. Va et tu vas revenir. T'asseoir où? Tu te prends pour qui? C'est chez toi? Je vais m'asseoir. Hein? Oh. Désolé, monsieur.
Non, l'argent, tu m'as l'argent. Qu'un problème. D'après tout, je l'affronterai et je vais la gagner cette fille. Je vais d'ailleurs dépenser parce que c'est elle que je veux. Donc, je vais dépenser. Je n'ai pas de choix d'ailleurs. Pourquoi tu attends dehors? Tu pourrais venir à l'intérieur et prendre l'argent. Pourquoi tu es là dehors? Non, je ne vais pas vous déranger dans la maison. Oh, ok. Et quand vous avez amené cet argent, il faut seulement me donner. La ferme prend l'argent et tu lui apportes. Rassure-toi de m'apporter l'adresse. Désolé. Je ne peux plus attendre de la voir aujourd'hui. Désolé. Prends l'argent et tu lui donnes. Mais j'attends l'argent. Donnez-moi l'argent, je vais aller lui donner. Moi, j'attends seulement l'argent. Donnez-moi juste l'argent. Vous attendez quoi?
Oga, désolé. Tu peux prendre. Vous voyez, hein, avec cet argent, elle sera vraiment contente. Ne vous en faites pas, hein, je vais lui donner. Rassure-toi que tu lui as donné cet argent. Et c'est comme si c'est déjà fait. Elle sera tellement contente. Arrête-moi tes bêtises. Rassure-toi de m'apporter l'adresse. Pas de problème. Il a donné beaucoup d'argent comme ça. En tout cas, mais c'est grave. Il est vraiment idiot. Oh, donne cet argent, Kyoma. Dis-le que c'est moi qui t'ai envoyé. Un idiot. Il est vraiment bête. Aïe, 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 aïe. Mon bébé, mon bébé, mon bébé. Comment vas-tu, mon amour? Je vais bien. Très bien. Tu l'as amené? Ah, oui, non. Je l'ai apporté. Non, c'est pas vrai. Je ferai tout pour montre-le moi. Ah, oh, tu mon vas... Dieu. Je ferai tout pour toi. Oh, bonté divine, tu n'en reviens pas. Il faut bien les classer. Allez, laisse-moi classe bien les garder. Et viens ici. Attends, je dois bien le garder. Oui. Hein. Allez, approche. Je t'aime. Oui. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui, regardez, regardez, c'est bien, oh, très bien. Au revoir, au revoir. Oui. D'accord, je le bien vis. Merci, merci, tu vois. Merci. Ah ouais? Ah ouais. Hein? Il y a quelque chose de louche avec ces gars. Ah, sa manière de me regarder est trop bizarre. Pourquoi? Tu parles d'Obina? Oui. Non, Obina, c'est mon gars. Oh oui, c'est mon gars, sûr. Et tu vois, je lui avais donné l'argent avant qu'il aille en ville. Beaucoup d'argent. Je me souviens que tu m'as dit que vous êtes comme un chat et une souris. Ça, c'était avant, avant, pas maintenant. C'est mon gars. Et tu vois, même quand il marche en cours de route, hein, les habits qu'il porte, hein, les hauts et les bas, tout ça là, c'est moi qui l'ai acheté. Tu l'as acheté pour lui? Mais tout ça m'a dit qu'il est venu au village avec beaucoup d'argent. Oublie ça, c'est pas vrai. Oublie tout cela. C'est moi qui le suis. Hein. C'est moi qui lui donne tout cet argent. L'argent qu'il a, c'est moi qui lui donne. Oublie mon habillement, hein. Tu vois comment je suis habillé? Non, c'est rien. J'ai beaucoup d'argent. Je vais devenir... Je dois me rassurer de sorte que ça ne tombe pas. Attends. Attends. Je le mets ici. Ici. Attends, je vais abuser ma jupe pour que ça ne tombe pas. D'accord. C'est bien maintenant. Je vais. Écoute, je vais prendre soin de toi. Je vais vraiment prendre soin de toi. De mon rêve, de l'équilibre. Alléluia. 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 Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah, pars. Pars. Hey, dis-moi. Mon mari, tu as une voix très merveilleuse.
une voix angélique. Merci, merci, merci. Hein? Qu'est-ce que tu veux à ce moment? Qu'est-ce que tu veux? Rien de grave. Et c'est juste pour savoir comment tu merci, vas. Merci beaucoup. Hein? Ne cherche pas à savoir comment je veux. Ne cherche pas à savoir comment je vais. Je viens à peine de chez toi. Non, ne viens pas à la maison. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Hein? Mais c'est quoi cette histoire? Hein? S'il te plaît, arrête de me demander. Parce que si ma petite amie te voit maintenant, elle ne sera pas contente. Ah. Tu as dit petite amie. Un ami. Respecte-toi. C'est moi. Et tu as marqué cette jolie dame que tu avais rencontrée et que tu voulais épouser. Idiote. Qui veut t'épouser? Moi? T'épouser? Kaka. Il a foutu de sa batte sur toi. Et tu es en train de raconter. Regarde, respecte-toi. Je n'ai qu'une seule petite amie que je vais épouser. Et si c'est pas toi. Oui, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas toi que je vais épouser. Voilà la vérité. Et c'était juste un petit homme et un petit corps qui m'ont demandé de te dire ce que je t'avais dit. Pour que tu arrêtes de les maltraiter dans la boutique. Oui. Alors, respecte-toi et oublie tout ce que tu es en train de raconter. Je ne t'ai jamais aimé. Et je ne t'aimerai jamais. Et je ne vais jamais t'épouser. Hey, laisse-moi tranquille. Maman, s'il te plaît. Mais laisse-moi. Arrête de me raconter. Je t'aime, s'il te plaît. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que tu m'aimais et que tu allais m'épouser pour que nous puissions aller en ville. Mais en ville, respecte-toi. Mais ça ne va pas arriver. Tout ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Écoute-moi bien. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, tout ce que tu racontes là n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hubert, s'il te plaît, ne fais pas ça, pardon. Non. S'il te plaît. Laisse-moi, idiote. C'est quoi ça? Hubert, s'il te plaît. Mais c'est quoi cette histoire? Tout ce que tu racontes là, c'est faux. Mais moi, je t'ai menti. Je vais même rouler par terre pour que tu me laisses. Idiote. Toujours t'es marié. Je ne veux pas t'épouser. La foudre va s'abattre sur toi. Laisse-moi que c'est toi. Tu te mets là. Non, s'il te plaît. Je vais même dormir pour toi. Je vais même m'allonger pour toi. Eh bien, s'il te plaît. Mon cœur est brisé. Quelle déception. Eh bien, s'il te plaît. Je suis fini. Eh bien, s'il te plaît. Ne me suis pas. Ne me suis pas. S'il te plaît. Eh bien, s'il te plaît. Je suis désolée, ma chérie. Désolée. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Mes jambes. Essaie de la comprendre, hein. Désolée. Excuse-moi. J'ai cru que tu avais déjà enlevé le bruit. La prochaine fois, c'est pas du tout bien. Désolé, tu vas faire plus attention prochainement. Ok. Juste pour vous faire plaisir, je vais acheter la nourriture pour tout le monde. Oui, une très bonne fille. Chigo, one name. Oh, désolé. T'inquiète, ne te dérange pas. Ton dîner sera ma charge. Chiso, je m'occupe de ton dîner. Je vais te préparer quelque chose de spécial. Désolé. Tu m'as dit de faire attention la prochaine fois. Ce n'est pas du tout bien. Oh.
Oh, yeah. Non, 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 non. Je dois comprendre quelque chose. Donc, vous avez pensé toutes les deux, mais tourner en bourrique et en sortir indemne. Donc, toutes les deux, vous avez comploté un plan contre mon ami Chioma. Imagine. N'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Elle ne sait pas de quoi est-ce qu'on parle. Elles ont besoin de savoir ce dont nous parlons. Ok, bien, ok. Écoutez, connaissez-vous un certain Ibé? Ah! Donc c'est vrai! C'est vraiment vrai! Il faut gagner. Donc toutes les deux, vous avez fait un plan avec Ibé pour promettre à ma soeur, mon ami Noma, le mariage. Vous allez souffrir. N'est-ce pas? J'ai souffert. T'es qui bafou? Il faut gagner. Tu vois? J'ai souffert. Oh! N'est-ce pas que c'était vous? Vrai ou faux? C'est pas vrai. Ah, toutes les deux, vous avez besoin de Jésus. Elles ont besoin de vous Jésus. Avez besoin. En fait, partez. Tu dis, hein? Avec cette douleur. En action. Non, vous quoi? Votre aïe! Sang. Non! Arrête! Allez. Arrête! Non, cette bouche. Il ne reste pas calme. Tu ne fais que folle pour tout. Cette bouche. Tu apprendras ta leçon. Toi. Tu apprendras ta leçon. Tu apprendras. Fermer ta bouche. Au lieu d'aller colporter au sujet des autres personnes. Tu apprendras ta leçon. Ferme ta bouche. Aïe. Aïe. Ah non. Arrête. Arrête. Aïe. Ne me dis pas de me calmer. Hein? Pourquoi elle me regardait comme si elle connaît rien sur moi? Elle n'est pas amoureuse de moi. Regarde, je te comprends plus. Je te comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Je vais la voir. Je dois vraiment causer avec elle. Je suis fatigué de tes nouvelles. Calmez-vous. Calmez-vous d'abord. Hein? Calmez-vous. Hein? Elle a déjà trouvé une solution. Alors? C'est ça. Je voulais prendre son numéro. Elle m'a dit, non, attends. Elle m'a dit qu'elle va vous appeler lorsqu'elle va retourner de l'école. Hein? Je lui ai donné le numéro que vous m'avez donné. Votre numéro. Tu lui as même donné mon numéro. Alors qu'est-ce qui l'empêche de m'appeler? Honnêtement, je ne sais pas si je peux encore croire sur tes nouvelles. Hein? Je dois faire quelque chose avant que quoi que ce soit m'arrive dans ce village. Rien n'y va arriver. Et croyez-moi. Écoute, laisse-moi te dire, je suis fatigué de tout. Ah go! Tu peux partir, mec. Tu peux partir. Ok. Ferme. Dégage. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis contente. Oudou. Ikoutou. Toi, désolé. Espèce d'imbécile. Désolé. Ne le suis pas, c'est Gaston, stupide. Viens là. Qu'est-ce que tu m'as apporté aujourd'hui? Ofako. Oh, j'aime Ofako. Vraiment? Ouais. Tu sais l'Afrique du Sud? Oh, tu ne sais pas l'Afrique du Sud. On l'appelle AFS. J'aime Ofako. Idiot. Regarde, mon bébé. Tu sais en Afrique du Sud? Et où? Tu devrais avoir honte. Hein? Tu te mets là. Hein? Tu es vraiment une déception pour cette communauté. Juste à cause d'un homme. Tu as laissé ton village. Dieu va te punir. Qui te punisse aussi? Qu'est-ce que c'est? Et en quoi ça te concerne? Et bien c'est quoi ton problème? Ah. Je peux bien voir que tu es jaloux. Pas jaloux. Tu es jaloux. Arrête cette bêtise. C'est très clair. Mais qu'est-ce que tu racontes de fermer ta bouche? Hein? N'importe quoi. Tu te précipites. À cause d'un homme. Laisse-moi te dire d'abord une chose. Rentre à la maison et ne reviens jamais dans ce village. Si tu reviens encore dans ce village, je vais te frapper. C'est quoi ça? C'est quoi ton problème? Maintenant, laisse-moi te dire très bien. Tu vois, Obina, il est mon mari. Alors, Ibé.
Sois vraiment prêt. Parce que tu me verras porter l'anneau dans ces villages. Jamais! Mais tu es en train de rêver. Ça ne va jamais arriver. C'était toi qui suppliais ces fous dans ce village. Juste parce qu'ils vivent dans ce village. Arrête de faire ça, cet idiot. Si je te vois encore dans ce village, ici, je vais te tuer. Moi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire du tout. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois, Obina, comme je viens de te le dire, il est mon mari. Il m'a été donné par Dieu. Merci. Merci Jésus quoi? Tu es grand. Merci Jésus quoi? Merci Jésus quoi? N'importe qu'est-ce quoi. On y a là. Laisse-moi te dire, c'est sur les anges qui me l'a dit. Tu vois de quel ange? Oui. Mais c'est un mensonge ce que tu racontes là. Idiote, laisse-moi te dire la vérité. C'est Tigo et Tissom qui m'ont payé de te raconter l'histoire. Tu crois que c'était les anges qui t'ai parlé? Tu mens. Oh, en fait, je mens? Mais regarde-moi cette idiote. Oui. Est-ce que je suis en train de mentir? Les anges et même m'ont apparu. Ils m'ont dit que moi, Obina, oh Seigneur, merci. Que mon amour Obina est mon mari. Tu veux dire un ange qui t'a apparu et qui t'a raconté cette histoire? Hein? Un ange comme... Ma fille. Je suis l'ange envoyé du ciel pour venir te parler. Ton mari est là. Il sera dans ce village très bientôt. Je veux que tu sois gentil avec les gens, spécialement ceux avec qui tu travailles. Mais ne sois pas méchante. Sois gentil avec les gens, mais ne les laisse pas te marcher dessus. Alors, ton mari sera fier de toi lorsqu'il viendra te demander en mariage. C'est ça la voix de l'âge que tu avais entendu? Onyala! Tu en as fait assez, non? Oh, c'est aussi mon tour. C'est beau. Allez, oh, c'est mon quand tour. Quand tu dis, t'arrêtes pas. Pourquoi est-ce que je vais me fatiguer? Quelque chose qui est si incroyable. Oh, mon Dieu. Pas si vite, notre chère sœur. Mais qu'est-ce que tu fais tout ça? Oui, continue. Comme ça. C'est bien, c'est quand tu parles. Tu ne sais plus parler, tu cries. Tais-toi. Tais-toi. Vas-y, mon ami. Vas-y, continue. Tu es cette sorcière. Tu l'as. Oh, mon amour. Tu sais que je t'aime. Oh, je t'aime encore plus. Vraiment. J'aimerais te parler d'une chose. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Pourquoi tu fais cette tête? C'est quoi le problème? Obi, Machego est ma meilleure amie. Et bien je sûr, l'aime je beaucoup. Sais. Oui, je sais. S'il te plaît, je crois que nous devons lui parler de notre projet de mariage. Ah, non. Rien ne presse. Chérie, parfois, tu ne comprends pas ce que je fais. Tu ne sais pas ce que je fais. Notre mariage ne sera jamais comme les autres. Notre mariage sera spécial. Tu ignores que j'inviterai tous mes amis partout en l'étranger pour venir assister à ces mariages. Ouais. Mes amis viendront de l'Indonésie. De la Malaisie. De l'Amérique. De l'Europe. Tu ignores ce que je fais. Je prends mon temps pour bien préparer ces mariages. Ouais. Oh bébé. Je t'aime. Tu l'ignores. Ce mariage sera sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, ainsi que les autres. Dans n'importe quel site, je te dis partout, les gens sauront à propos de nous. Ils entendront à propos de nous. Maintenant, regarde, je suis juste en train de prendre mon temps. Parce que je sais que ça va presque m'écouter aux environs de 300 millions. C'est pourquoi je suis en train de prendre mon temps, parce que je veux que notre mariage soit si parfait que possible. Tu vois donc, notre mariage sera... Chérie. À propos de l'argent que je t'avais prêté,
Je t'avais dit que c'était à ma mère. Elle avait pris à la suggestion de femme. Maintenant, on commence à l'humilier à cause de ça. S'il te plaît, tu dois me les remettre maintenant. Pour que je puisse les lui restituer. Hé, hey, chérie. Tu me déçois. Regarde comment tu parles de cette petite somme d'argent comme si ta vie en dépendait. S'il te plaît. Hein? Pourquoi tu parles comme ça? De quoi on parle? C'est combien d'ailleurs? Ok, pas de problème, pas de problème. Regarde. Juste dis à ta mère. Quelle banque elle utilise? Tu parles de la banque? Ouais. Chérie, arrête. Remets-moi cet argent. Quand je te l'avais donné, je n'étais pas allée à la banque. Calme-toi, ma chérie. Mais arrête de te comporter comme une villageoise. Maintenant, t'es avec moi, t'es plus une villageoise. T'es maintenant une citadine, elle fait d'être avec moi. Regarde. Dis à ta mère de m'envoyer le détail de sa banque et je transférerai l'argent dans son compte. Tu continues toujours à parler de la banque? Arrête ça, s'il te plaît. Je te l'avais donné en liquide. Donc, remets-moi tel quel. Oublie la banque. Elle a dit que si aujourd'hui je n'ai pas cet argent, que je ne rentre pas à la maison. Donc, tu as intérêt à me payer. Hein? Hey! Moi qui ne me crie à Niégui. Pourquoi tu parles comme ça, hein? Tu me rends énervé. Hein? Obi, arrête ça, s'il te plaît. Ok, pas de problème. Tu ne sais même pas mes plans pour toi et ta mère. Tu ne sais même pas ce que j'ai à l'esprit. Mais les choses sortent comme ça. Juste dis à ta mère ce que je viens de dire. Qu'elle m'envoie les détails de son compte bancaire. Et je vais, doubler la... l'argent pour toi. C'est tout ce que tu sais dire. Qui t'a invité ici? Chigo. Je sais que j'aurais dû t'en parler depuis. Dieu merci, tu es là. Obina et moi, nous allons très bientôt nous marier. Ouais, bébé. Et je suis sûre, il t'a demandé de ne pas me le dire. Eh, Seigneur. Je n'arrive pas à y croire. Sais-tu que c'est exactement ce que ces fous m'avaient dit? Hein? Tu m'appelles un fou? Chico, s'il te plaît, allons-y. Est-ce que tu viens de traiter mon chéri? Tu es malade? C'est bon, je comprends très bien ton plan. Obina, je ne sais vraiment pas pour toi, mais il m'aime, et c'est vrai. Et il va bientôt me marier, ok? Tu sembles, laisse-moi te dire la vérité. Partons d'ici. Mais qu'est-ce que c'est, ces bêtises que tu me parles? Tu dis que toi et moi, on était ensemble. Est-ce qu'on nous a déjà vus ensemble? Attendez. Arrête. Tu es malade? Tu sais de qui tu parles? Chico, mais pourquoi tu me fais ça? Hein? Tu sais que tu es ma meilleure amie. Maintenant, tu es devenue l'ennemi de mon progrès. Hey. Ah, eh bien, la très chère mariée, regarde ta bouche. J'aime Obina. Obina, il va m'épouser. Laisse-moi te demander. Il n'a pas prêté de l'argent auprès de toi. Et c'est quoi le rapport, si je peux le savoir? Tu peux imaginer. C'est quoi ça? Et je suis sûre, il t'a dit la même chose qu'il m'a dite. Qu'il a envoyé... un agent de la banque pour aller retirer de l'argent pour lui. Et cette personne s'est enfuie avec son argent. Bam! Tu as vu? Ces fous étaient en train de nous utiliser. Hey! Obi! Hein? Où est-ce que tu veux aller? Je vais aller me soulager. Bébé, je suis là. Laisse-moi juste me soulager un peu. Hein? Mon argent. Tu fous ma malade. Je vais voir. Tu as perdu la tête. Toi, mon argent. Tu veux me tuer? Tu n'iras nulle part. Nous te donnerons l'argent. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais chérie, attends. Chérie, attends. Chérie, s'il vous plaît. Attendez. Chérie, s'il vous plaît. Chérie, s'il vous plaît. Attendez. Chérie, s'il vous plaît. Je vous donnerai. Je vous donnerai. Et si tu ne retournes pas mon argent? Hey! Hugo, s'il te plaît. Hugo, s'il te plaît. J'ai déjà beaucoup attendu, s'il te plaît. Excuse-moi, Oga. Ce que tu as est tout mon business. Retourne mon argent avant que je ne te frappe. Hugo, s'il te plaît. Hugo, s'il te plaît. Au nom de Dieu. J'en ai même pas sur moi. Et c'est la vie. Je n'ai même pas 10 000 ici sur moi. Je n'ai rien sur moi. Ne vous en faites pas. Quand je serai en vie, je donnerai le tout. Donne mon argent. Où est mon argent? Écoute-moi. Si tu ne retournes pas mon argent, je vendrai cette maison. Que tu l'aies belle ou pas, je vendrai cette maison. Où est-ce qu'il va aller?
S'il vous plaît. Pourquoi vous voulez brûler ma maison? On va quand même poser. S'il vous plaît, arrêtez de me frapper, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il vous fait? Timo. Pardon, Timo. Timo. Pardon, s'il vous plaît. Ne me frappez pas. Pardon. Je vous en supplie. Mes chéris, je vous aime, non? Tu dois faire sortir tout ce que je t'avais donné. S'il vous plaît. Tu vas me tuer. Pardon, chérie. Chérie, arrête de me frapper. Aïe. Chérie, s'il te plaît. Pardon. Mes amours. S'il vous plaît. Aïe. Chérie, pardon. Aïe. Allez, vas-y. Passe-le-moi. Je t'aime beaucoup. Je prendrai soin de toi. Hey. Je vais te changer. Je vais te construire une maison. Hein? Oui. Une maison? Hey, regarde. Je vais payer tes études. Ibe! Qu'est-ce qui se passe là? Je vais te tuer. Je vais te tuer tout de suite là. Tu m'as escroqué, hein? Tu prends ma femme alors que je suis encore en vie. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu lui demandes ça? Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas? C'est clair que je passe des bons moments avec mon petit ami. Petit quoi? Petit ami? Hey! Ibe. Mais qu'est-ce qu'il y a avec lui? Ibe. Donc c'est ce que tu m'as fait. Tu as utilisé tout l'argent et les cadeaux que je t'ai donnés pour la rendre ta femme. Ibe, toi! Entre toi et moi, non, attends, quelqu'un doit mourir. Attendez. Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Il raconte qu'est-ce qu'il est en train de dire. Hein? Écoute, ne t'inquiète même pas de lui. Et tu sais bien que je t'aime beaucoup. Hein? Ne l'écoute pas. Ok. Approche. Tu as un job en ville, n'est-ce pas? Oui. Toutes ces choses que tu m'as amenées, de l'argent, des cadeaux, c'est toi qui l'as acheté. C'est toi-même qui l'as commandé pour moi. Oui, c'est vrai. Ou c'est toi qui l'as commandé pour toi à partir de la ville. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ibe, entre toi et moi, quelqu'un doit mourir. Tu me connais très bien. Laisse-moi clarifier ceci. Tu vois tout ce que tu as pris chez lui. Tout argent, ainsi que cadeau. Même ce péric, tu l'as réussi. Parce que c'est moi, j'ai donné à Ibe de te donner. Bonté divine. Je voulais réellement faire de toi ma femme. Hey. Je voulais t'attirer avec tous ces cadeaux et l'argent. Mais Ibe... Ibe, toi. C'est pas ça. Même un baiser, je n'ai pas eu. Même la forêt équatorienne. Je n'ai pas découvert. Ibe, je vais te tuer. Ibe, tu n'as donc pas d'argent. Il n'a rien. Toi. Ibe, tu n'as donc pas d'argent. J'aurai l'argent. Toi. Tu m'as consommé. Thank you.
Désolé, désolé. Écoutez, écoutez. Vous tous, vous êtes mes sœurs, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, hein. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, hein. S'il vous plaît, pardon. Rentre ici. Attends, reviens. Je vais te donner une bonne leçon. Reviens ici. Reviens. Reviens ici. Reviens. Reviens ici. Tu es le plus fort, non? Tu fais pourquoi? Reviens. Écoutez, s'il vous plaît, doucement. Pardon, écoutez. Allez, écoutez. Mes sœurs, vous êtes aussi, non? Hein? Vous êtes aussi mes amours. S'il vous plaît, écoutez d'abord. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. Aïe. Pardon, vous êtes aussi des sœurs en Christ, non? Pardon, aïe, au secours! Ah, au secours! Ah, ah, s'il vous plaît, non? S'il vous plaît. Hein? Ah, ok, j'ai compris, hein? S'il vous plaît. Hé, hey, toi, tais-toi! Plus, je ne veux plus recommencer. Qui sont tes sœurs? Pardon. Tu as vu ta sœur parmi nous? Hein? Regarde. Nous avons l'air de lui. Alors, Obina, tu penses que tu peux venir dans ce village et nous utiliser comme maintenant là, tu n'as même pas peur. Mais, tu penses que tu peux me tousser juste. Mais. Hé, hey, tais-toi! C'était tais-toi. Juste quatre fois. C'était juste quatre fois. Hey, hey, attends, pas là-bas. Hey, pas là-bas. Hey, non, 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 je ne me fais pas. Arrête ça. Tu veux me couper quoi? Hey, ferme ta bouche. Tu... Mais, hey! Moi, je t'ai rien fait, toi. Ferme-la! Hein? Je t'ai rien fait. Tu m'as touché. Et tu m'as touché aussi. Oui. Et si tu me résistes? Alors, tais-toi. Attends, je vais te crever le cerveau. Pardon, s'il te plaît. Pardon, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tu vois, tout ce que tu mangeais, la nourriture que je t'ai apportée et l'argent que je t'avais donné, tu dois le remettre maintenant. Tu as dit que je dois le vomir, non? Mais tu as dit que je dois le vomir. Mais c'est ce que tu as dit, non? Attendez, mes sœurs. Attendez. Pardonnez-moi, non? S'il vous plaît. Voyez, Hugo, n'oublie pas que cette idée aussi, non? Pardon, Hugo. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.